Allez, c'est bon, on est en direct. Bonsoir à vous tous, c'est Fouad Arilas Lapanter. J'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans mon nouveau live. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un nouveau live sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live sur YouTube et surtout, je n'ai pas fait un live débat. Ça fait quand même, ça fait longtemps. Alors, bien sûr, je vais faire un live débat. Bien sûr, le titre qu'on vous pouvez voir, c'est les jeux de fighting et de beat'em all avant et aujourd'hui. Alors avant, ce qui était dans le rétro gaming, on va en parler bien sûr sur le live en ce qui concerne les jeux rétro et aussi les jeux d'aujourd'hui, les jeux versus fighting et beat'em all. On va parler des préférences. Est-ce que les jeux de beat'em all, ça a évolué dans le bon sens ou pas? Et est-ce que les jeux de fighting étaient mieux avant? Ou est-ce que ça évolue aussi dans le bon sens? Ça, on va en parler. Et ça, bien sûr, quand je dis on, je ne serai pas le seul. Bien sûr, il y aura des invités, surprises, des youtubeurs qui sont passionnés de jeux vidéo, et en particulier dans ce domaine de jeux de fighting et de beat'em all. On va commencer déjà par le youtubeur Cyber808 que j'ai rencontré à la Edge Convention, connu pour avoir créé le jeu Kirito The Game. Je le fais venir tout de suite. Salam alaikum Cyber808, j'espère que tu vas bien. Alaykoum salam Foured, ça va? Bonsoir à tout le chat, bonsoir tout le monde. Eh bien, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation Foured. Eh bien, écoute, avec plaisir, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre? Moi ça va super, ça va Eh super bien. bien, alhamdoulilah. Eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation pour assister à mon live YouTube. Alors, bien sûr, aussi, comme prochain invité, le poteau Classus de la chaîne Looping. Je vous la... Et il arrive d'ici dans un instant. Et le voici. Salut, mon ami. Salut, Looping. Allô, est-ce que tu m'entends? Ah, je vois qu'il y a un problème de son. Ouais, c'est pas grave, il va peut-être revenir Et après. ouais, de toute façon, s'il doit régler son problème de son, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'espère que ce n'est pas si grave que cela. Et il va y avoir bien sûr Florian de la chaîne New Tech City qui va pas tarder à arriver. Et voilà, ben. Comme tu peux voir, Cyber808, toi, vu que toi tu es connu pour avoir créé le jeu Kirito The Game, alors j'ai pris l'initiative de t'inviter dans ce live débat parce qu'on a eu une discussion et je t'avais même interviewé sur ma chaîne YouTube pour le fait que tu avais créé le jeu Kirito The Game. On avait échangé aussi nos passions sur les jeux de beat'em all, comme on a parlé de la série Street of Rage, et tu as répondu comme un vrai DZ, comme un vrai Algérien, en disant ne commence pas à me saouler quel est le meilleur entre Street of Rage. De toute façon, on va en parler dans la vidéo YouTube, en attendant que bien sûr Florian arrive. Et le voici, et il arrive. Et bonjour à toi, New Tech City. Salut Florian, comment tu vas? Salut, ça va nickel. Ben, heureux parce que tu as assisté à un live TikTok. Eh bien voilà, Looping pour l'instant, je sais pas, il doit avoir un problème de son. Essaye de réagir sur le chat si tu peux, mais si tu peux pas, essaye de voir. Eh bien en tout cas, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a du monde. Eh bien salut Poto, salut Guiwan, salut Tulfam, salut le chat et tout. Salut Anthony, j'espère que ça va. Eh bien oui, il y a Cyber808, Guiwan, il te déteste fou. Ah, c'est méchant. J'espère que c'est un Non, troll. il Ouais, je rigole. sais, je sais. Psartek Maillot Pelo. Ben, merci beaucoup. C'est Maillot de la JSK, meilleur club de l'Algérie. Alors, bon, je vous raconte une anecdote avant qu'on commence le débat. Alors, Cyber808, New Tech City et Classus de la chaîne Looping, ce sont des gars que j'ai rencontrés à la Edge Convention, des gars passionnés par le rétro gaming. Et ils sont beaucoup passionnés et ils connaissent bien les jeux dans le domaine qu'on va en parler, fighting, les jeux de fighting et les jeux de beat'em all. Alors, bon. Ce que je dois vous dire, est-ce que les jeux de fighting et les jeux de beat'em all continuent à évoluer dans le bon sens ou est-ce que y a des jeux qui se cassent la gueule? Ça, on va en parler. Et bon, eh bien, on va commencer déjà par Cyber808 qui est connu pour avoir créé la chaîne, pour avoir créé pardon, le jeu Kirito. Alors, est-ce que ton projet ça avance pour le jeu Kirito? Oui, tout à fait, ouais, ça avance pas mal là en ce moment. On travaille sur le gameplay et surtout sur les ennemis. Et il y a vraiment pas mal de nouveaux qui arrivent bientôt. Et on espère tenir nos délais. La démo, le jeu qui fait office de prologue, en gros, qui sera disponible gratuitement, normalement au mois de septembre. Bon, ben, comme on dit chez nous, on dit Inch'Allah. Et est-ce que, si admettons,
à la prochaine Edge Convention chapitre 2 de 2024, est-ce que ouais. tu seras présent pour faire tester la version évoluée comme tu viens d'évoquer? Alors, je serai présent, pas forcément pour faire tester la démo, mais juste pour participer, parce que la dernière fois, bon, bah, j'étais là en tant qu'exposant, et j'ai envie de venir en tant que visiteur. Et, tout à fait. Normalement, je serai présent. Après, présenter le jeu, je sais pas. En tout cas, j'aurai pas de stand cette fois. Je pense qu'il veut faire tourner un peu, hein, parce qu'il y a pas énormément de stands, donc c'est normal que, bah, qu'il fasse tourner un petit peu, qu'il y ait un peu de nouveautés à chaque édition. Mais c'était tellement un plaisir la dernière édition qu'on y retournera avec grand plaisir. Eh bien, Inch'Allah, eh bien, j'espère que moi aussi je serai présent parce que ça me tiendrait aussi à cœur d'être présent. Alors bon, mais je vois que Looping a eu un souci. Alors toi, Florian de la chaîne New Tech City, comment ça va? Bah, écoute, nickel. Alors toi... mais toi aussi, on s'est rencontrés à la Edge Convention. C'est vrai qu'on s'était rencontrés que le premier jour. Avec ton pote Steve, et j'espère qu'il va bien, c'est un bon gars lui aussi. Ouais, et ben écoute avec plaisir. Et écoute, toi après, c'est que moi j'ai vu de ta chaîne New Tech City. Alors toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans le YouTube Game? Bah écoute, moi je suis le YouTube Game, comme tu dis, depuis l'époque de Green Hill Memories, tout ça. Et voilà, je suis un passionné de jeux vidéo, j'ai même bossé à Micromania, tu vois, bon, c'est pas la référence, on est d'accord. Et bon, ça date maintenant, hein. J'avais 20 piges, j'en ai plus de 40 maintenant. Voilà, j'ai suivi tout ça, j'ai vu qu'il y a eu des petits clans, même encore maintenant, YouTube Game, bon, il est ce qu'il est, mais bon, tu vois, les gens se clashent pour rien. Et voilà, j'ai envie de donner ma vision de... Voilà, des jeux, des choses, voilà, en rigolant, tout simplement. Puis voilà. Alors très bien. Eh bien bon, ben je veux commencer. Très bien. Ben je vais que vous êtes présenté. Ben je vais commencer le débat. Bon, malheureusement Looping là, il a un souci technique. Il va peut-être revenir. Alors on va commencer par des jeux de bits et molles. On va commencer par la catégorie 8 bits. Ça veut dire qui dit 8 bits dit génération Master System. Où il existait aussi des jeux d'arcade en 8 bits et des jeux en et aussi et surtout la NES qui est ma première console où quand j'étais bébé je savais pas parler. Alors on va commencer. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu Tortue Ninja sur NES? Alors je vais commencer par New Tech City et après je vais te sortir un autre jeu, Fali. Cyber, pardon. C'est parti. Et bien sûr, les personnes qui sont dans le chat, vous pouvez aussi exprimer vos avis dans le chat aussi. Et on va afficher aussi des commentaires s'il y a des commentaires intéressants. Alors, New Tech City pour le jeu Tortue Ninja, de 8 bits. Oui. Alors, tu parles duquel sur une map à la Super Mario Bros. 3 là. C'était plus un action plateforme qu'un beat'em all, hein, mais. Voilà, moi perso, je l'avais pas, je l'ai testé quelques fois, il est super dur. Bon, voilà, pour l'époque, tu avais un dans les pattes, tu étais content, tu avais des musiques, tu avais ça sur ta télé, mais tu joues maintenant, à moins d'être nostalgique de ce jeu-là, franchement, tu te fais du mal. D'accord. C'est mon avis personnel. Tortue Ninja, tu joues sur Super NES ou sur d'autres consoles, bah, je pense qu'on y passera plus tard. Là, alors juste, petite interruption au direct, nous avons le retour. Voici Looping, Cassius de la chaîne Looping. Comment ça va? J'espère que tu nous entends. Salut Looping. Moi, je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez. Ben oui, on t'entend, mais voilà, y a pas de, on voit qu'il n'y a pas de retour. Comment ça va Looping? Ouais, ça va nickel. Désolé hein, pour les petits contretemps parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude des lives comme ça. Ouais, j'ai pas trop l'habitude. Mais en tout cas, moi, je vous ai en webcam et c'est sur le téléphone, donc on va faire ça sur le téléphone au final. Donc pas de souci, voilà. Il y a pas de souci. On va faire avec. Bien, tu nous entends. Là, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Ouais, c'est parfait. Alors Looping, okay. Alors le poteau Cassius Looping que j'ai rencontré aussi à la Edge Convention, qui est aussi passionné de l'univers des jeux de fighting. Il fait beaucoup de vidéos sur des réactions sur les nouveaux Street Fighter, les nouveaux personnages sur Street Fighter 6, les nouveaux personnages des nouveaux Tekken et aussi des nouveaux Mortal Kombat. Et après toi par exemple Looping, toi qu'est-ce qui t'a poussé à être dans le YouTube Game et tout, parce que moi je t'ai rencontré à la Edge Convention au deuxième jour. Ouais.
Oh là là, le YouTube game, bah en fait, forcément, c'est en voyant les autres faire que j'ai voulu rentrer là-dedans. Mm-hmm. Donc forcément, je voyais des gros YouTubeurs, j'ai vu que, en fait, le game entre guillemets, le jeu a changé. C'est-à-dire qu'avant, on se donnait rendez-vous dans des salles d'arcade. Moi, je suis parisien, donc sur Paris, t'avais principalement de Châtelet, une grande salle à Châtelet et dans les Halles. À l'époque, on était ados. Donc, on se donnait soit rendez-vous là-dessus, soit on se donnait rendez-vous les uns chez les autres et tout ça. Et donc, on dosait comme ça, on va dire, de l'époque de l'Amstrad, même de l'Atari, de la première console, c'est venu comme ça. Et donc, forcément, bah, avec l'arrivée du net, avec l'arrivée d'Internet, on est obligé de tous s'adapter. Et puis moi, j'aimais beaucoup aussi faire des interviews. En fait, je me posais beaucoup de questions par rapport aux joueurs professionnels et par rapport à leur niveau, comment ils ont atteint un tel niveau. Donc, j'ai commencé à faire des interviews et du coup, bah, en fait, de fil en aiguille, bah, du coup, j'ai créé ma petite chaîne et puis voilà, ça a commencé à prendre forme et puis j'ai réussi à choper des joueurs d'un peu partout. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça a commencé. Et la chaîne, je me rappelle honnêtement même plus parce que ça date d'il y a tellement longtemps, le début de la première chaîne, que je peux même pas vous donner de date précise. Voilà les gars. D'accord, très bien. Mais en tout cas, merci pour ta présentation, Classus. Merci. Alors, on va revenir déjà au sujet. Alors, pour Cyber 808, je vais te sortir un jeu de fighting, parce que là, j'ai sorti un jeu de bisémol. Un jeu de fighting, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais connu le jeu Karaté Champion sur arcade? Karaté Champion sur arcade? Oui, oh, et par exemple, c'est un jeu d'arcade, par exemple, où voilà, tu incarnes en fait, et après, quand tu tapes, l'adversaire est déjà KO et il y a déjà le score. Et après, tu as des trucs qui applaudissent et tu vois une scène similaire dans le film classique Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Non, je crois que j'y ai joué sur ordinateur à ce truc. Ça me dit quelque chose, un jeu de karaté. Maintenant que tu me parles d'arcade, moi, mon premier jeu d'arcade en beat'em all que j'ai connu, c'était Kung Fu. Avec le petit bonhomme qui avance et qui était sur NES. Ouais. J'ai jamais joué en arcade par contre. Et ça me dit quelque chose sur ordinateur. Alors, est-ce que c'était celui-là? Je suis pas sûr. Mais le Kung Fu, ouais, le Kung Fu, ça m'avait assez marqué. Et qui était dispo sur NES d'ailleurs. Mais ça a jamais été un de mes jeux préférés par contre. Parce que je le trouve un petit peu redondant, quoi. Même si c'était sympa. Oui, après, bon, c'est. Et après, on va pas se mentir. Ça, c'est du pur rétro parce qu'on est en génération 8 bits. Donc, comme Florian de la chaîne Tech City avait répondu pour les Tortues Ninja, ben là on va passer à un jeu de combat. Sinon aussi pareil pour jeu de 8 bits. Pour ton côté, Looping, est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un jeu de combat de génération 8 bits? Bien sûr, en versus fighting, pas beat'em all, versus fighting. Franchement, je vais. Les jeux, alors après, c'est vrai que je vais pas mentir, l'un des tout premiers jeux de baston que j'ai joué, dans mes souvenirs, c'était aussi Kung Fu sur un arcade. Hein. C'est mon grand frère qui me ramenait dans des salles, donc big up à lui, à Manu, et il me ramenait dans des salles d'arcade. Et Kung Fu, pour moi, c'était vraiment la base du footsie. Donc ce qu'on appelle le footsie, c'est-à-dire mesurer la distance des coups avec le départ du coup, le retour du coup dans la garde ou quand ça touche. Donc c'était vraiment un jeu beaucoup lié au footsie, et tu pouvais faire aussi le mode solo qui correspondait avec le scénario qui correspondait un peu au film du jeu de la mort de Bruce Lee. Donc voilà, c'était vraiment c'était une dinguerie à l'époque. C'était vraiment une dinguerie au niveau de l'avancée technologique. On n'avait pas connu ça en Europe. Donc pour ceux qui ont connu ça à l'époque, on était tous émerveillés de ce jeu-là, Kung Fu. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont démarré les jeux de combat par ce jeu-là. Après, il y a eu d'autres jeux 8 bits. Mais, enfin, après, je veux dire, c'est plus passé sur du 16 bits que du 8 bits. Voilà. Avec l'arrivée de du fameux Street Fighter 2, bien sûr. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, là, nous avons un commentaire intéressant. Une réaction d'un commentaire sur le chat intéressant de Tulf Ham qui dit le premier beat'em all de Snake, c'est Double Dragon 2. On va commencer. Allez, qui veut dire son avis? Tiens, Florian, et après Cyber, et après Classus. D'abord, on commence par Florian. Qu'est-ce que tu en penses? De Double Dragon 2? Ouais, Double Dragon 2. Parce qu'il dit le premier beat'em all de Snake, c'est Double Dragon 2. Moi, je l'ai connu sur la Game Boy noir et blanc. Mm-hmm. J'ai commencé par le 1, pareil. Moi, quand j'étais petit, j'avais la Game Boy.
En fait, je suis de la génération où, tu sais, les parents, ils disaient, ouais, non, tu vas pas mettre une console sur la télé, ça va la casser. Donc, du coup. J'en fais partie, bienvenue au club. Donc, moi, c'était la Game Boy. Hein. Je l'ai surdosé jusqu'à la fin de vie. J'ai même eu les super Donkey Kong. C'est le Donkey Kong Country, la conversion Game Boy, alors qu'il y avait la version sur Super NES. Moi, j'avais la version Game Boy. Mais elle était pas mal quand même, mais bon, bref. D'accord. Pour revenir à Double Dragon 2, grosse évolution par rapport au 1. Je me rappelle du. Tu t'accroupissais, tu pouvais mettre un uppercut. Tu ris. Moi, j'ai joué en Link. Graphiquement, une grosse évolution. On était plus long. Les musiques, elles tabassaient. Une tuerie. Enfin, de mon point de vue, sur Game Boy, en tout cas, c'était une tuerie. Après, il était sorti sur NES aussi. J'ai vu qu'il était plus joli. Mais je pense pas qu'il ait vraiment évolué au niveau des pros. La move list. Après, c'est normal. Parce que certes que NES et Game Boy, pour rappel, c'était du 8 bits. Incroyable. Mais Game Boy, c'était voilà, du noir et blanc. Et NES, c'était en couleur. Paraît-il qu'elle était plus puissante, la Game Boy, que la NES. Et quant à toi, Cyber, Double Dragon 2, sur quelle console tu l'as admiré, Double Dragon 2 ? Est-ce que, moi, je vais, si tu permets, d'abord parler de Double Dragon 1, parce que celui-là, je l'ai connu en arcade. C'est même un des premiers jeux auxquels j'ai joué en arcade. C'était un grand, que je connaissais même pas trop d'ailleurs, mais je sais qu'il était de ma ville. Il me voyait tourner comme moi, c'était à la fête foraine que j'ai joué aux arcades. En fait, c'est tous les ans la fête foraine venait. Oui, et je traînais toute la journée dans le camion là qui avait des bornes. Et il me voyait. Et puis à un moment, il m'a offert une partie, quoi. Il m'a dit, allez, viens jouer, petit. Tac, il a mis une pièce. J'y ai joué. Je me suis fait défoncer. Une grosse frustration. Et après, je l'ai eu sur Master System. Pour en revenir sur Double Dragon 2, était sur NES. Moi, j'avais pas la NES. Et c'est un des premiers jeux qui m'a fait un petit peu ressentir de la jalousie, quoi, par rapport au possesseur de la NES, parce que franchement, il envoyait du lourd. Mais à côté de ça, je vais faire le parallèle avec un autre jeu que j'avais sur Master System, qui était tout aussi, il était peut-être pas aussi bien, mais il était quand même, moi, je le trouvais excellent. C'était Vendetta. Non, bon, pas Vendetta. Crime Fighters 2 Vendetta. Renegade, non, avec Madonna dedans. Je sais plus si c'était Renegade, Vendetta ou un jeu assez connu quand même hein, sur Master System, très très joli graphiquement, qui tenait, qui faisait concurrence à Double Dragon 2 vis-à-vis des graphismes, mais malheureusement Double Dragon 2, bah moi je l'ai pas eu. Alors, j'ai certainement dû faire une ou deux parties chez des copains, mais pas plus quoi. Et très bien, merci Cyber. Et quant à toi, Looping. Sur Double Dragon 2, est-ce que sur quelle adaptation tu l'as le plus remarqué ? C'était Vigilante. Ouais, je l'avais plus en tête. Vigilante, oui, qui était sorti sur PC Engine, tout à fait. Ouais, j'ai connu. Ouais, bah, vas-y, Looping. Par rapport à quoi ? À Double Dragon 2 ? Oui, directement. Double Dragon 2. Oui, oui, Double Dragon 2. Même tu peux parler du 1 ou même Double Dragon 2. Sur lequel que t'as préféré, sur quelle console ou sur quelle adaptation t'as préféré Double Dragon 2 ? Je vais être honnête, les gars. Je vais être tout à fait honnête. Ça remonte à tellement longtemps que c'est très dur d'être précis sur quelle console j'ai dosé. Parce que, en fait, comme je dosais, moi, j'étais un squatter, donc je dosais chez des potes. Et j'avais aussi certaines. En fait, j'allais chez les potes qui n'avaient pas les mêmes consoles que moi. Donc, du coup, j'ai des bribes de souvenirs parce que ça remonte à la petite enfance, quoi, Double Dragon, vous voyez, on était vraiment des gamins à cette époque-là. Comme là, je vois, on est entre anciens, entre guillemets, hein, donc voilà, je suis un quadragénaire, j'ai 45 balais, donc me rappeler exactement de la bonne version de Double Dragon 2, ce serait trop dur de vous dire, mais en tout cas, je sais que j'avais kiffé, il y avait une version de Game Boy, je crois, à l'époque. Salut, Big Pac-Man. Ouais, je crois qu'il y avait une version de Game Boy de Double Dragon que j'avais kiffé. Et de toute façon, après, ça doit se jouer entre la NES et la Super NES, parce que c'est des consoles que j'ai énormément dosées. Donc voilà, si je dois citer trois supports, ce serait NES, Super NES et énormément Super NES, je pense, sur Double Dragon. Et surtout la une version Game Boy qu'on dosait. Il y a un été où on a dosé, j'ai dosé à mort Double Dragon. Il y avait des tas de sous et tout. C'était complètement un jeu de combat quoi. À l'époque, il y avait déjà des débuts de combo quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. C'était Killer Instinct avant l'heure, c'est ça. Exactement. Il y avait vraiment
Bah, je trouvais que, en tout cas, pour la version Game Boy, je trouvais qu'elle était vraiment en avance sur son temps. Ouais, elle était vraiment belle, elle était en avance sur son temps et tout. Alors après, je me rappelle pas tous les détails, mais je me rappelle d'un fameux Tatsu qui avec lequel j'arrivais à allumer, enfin, j'arrivais à aller avancer assez loin dans le jeu grâce à ce fameux Tatsu. Bah, après, il y a pas que ça, bien sûr, dans le jeu. Et c'était un jeu, je trouvais, qui était pour un jeu qui était beat'em all, qui ressemblait plus limite à un jeu de combat qu'à un beat'em all, en fait. Voilà, donc voilà, pour les souvenirs du Double Dragon, c'était ça. D'accord, ouais. Très bien. Et très bien, mais en tout cas, bon, on a presque fini on a presque fini en ce qui concerne la génération 8-bit, c'est ça ? Pour la génération 8-bit. Là, on va passer à la génération suivante. Bien sûr, on va parler des jeux d'arcade. Alors, on va parler d'un jeu très connu, déjà même Cassusan en a parlé, sur les Street Fighter 2. Alors bon, on va commencer par Cyber. Quel est ton Street Fighter 2 préféré et toi tu l'as préféré sur borne d'arcade ou sur ta console de cœur, la Sega Mega Drive? Alors aujourd'hui, moi Street Fighter 2, ça a toujours été pour moi d'abord un jeu d'arcade. Ensuite, j'ai adoré la version Super Nintendo. La version Mega Drive, je ne l'ai jamais eue. Je ne l'ai jamais eue du tout. En 2024, mon préféré, c'est Street Fighter 2X. Je joue quasiment très régulièrement sur Fightcade à Street Fighter 2X. Hier, je suis passé juste une chose. Version arcade ou version 3DO? Parce qu'attention, sur 3DO. Non, mais 3DO, non, personne n'avait la 3DO. Enfin, si, moi j'avais un voisin qui l'avait en plus, il avait Street Fighter 2X. Mais franchement, il l'avait à une époque où on s'en foutait, quoi. On n'avait pas trop envie de jouer. Puis c'était galère, c'était une manette 3 boutons. Non, moi 3DO c'était Crash and Burn et tout, on voulait de la 3D. Mais sinon, moi j'ai, franchement, Street Fighter 2, moi la première fois que je l'ai découvert c'était sur arcade. Et c'était un phénomène dans ma ville, tu vois, parce que là il était dans un café de la ville. Et par contre, dans ce café, les petits on n'avait pas le droit d'y jouer, tu vois. Alors ce qu'on faisait, qu'on attendait que le barman là, il se cache, il allait derrière, on rentrait en courant, on mettait une pièce, il pouvait pas nous virer, on avait déjà mis la pièce, tu vois. Et du coup, on a pu faire quelques parties comme ça. Et surtout, tu sais, il y a dû se passer au moins une semaine, 10 jours avant que je puisse y jouer. Et on me racontait le jeu. Et à un moment, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Tout ce qu'il me raconte, c'est du mytho. C'est pas vrai. Ça peut pas exister dans un jeu. Un gros qui tape avec toutes ses mains, l'autre il fait de l'électricité, l'autre il envoie des caméas. Enfin, pour moi, c'était impensable que ce soit vrai. Et finalement, le jeu était réel, quoi. Et donc là, j'en ai pété un câble. Et le pire, c'est que ce barman, il avait un fils qui était dans mon collège. Et forcément, on a essayé de gratter l'amitié et tout. Vas-y. Et le mec, il dit, non, moi, les jeux vidéo, je m'en fous, j'y joue pas et tout. Putain, il nous a dégoûté de la vie, ce mec. Il y jouait même pas, quoi. Il avait Street Fighter 2 en arcade en bas de chez lui en 91, 90, 91. Il y jouait pas. C'était quand même assez fou. Mais énorme claque. Énorme. Je pense que c'est ma plus grosse claque de jeu vidéo, Street Fighter. D'accord. Très bien, Cyber. Et sinon, ton New Tech City, quel est ton Street Fighter 2 préféré? Est-ce que tu l'as préféré en mode arcade ou en mode console de salon? Sans m'en dire, moi, j'ai pas joué à la version arcade. Quand j'étais petit, la seule fois où je l'ai vu en arcade, j'avais pas de sous. J'étais tout petit, hein. Et j'ai réussi à dégoter 2-3 pièces à mes parents, quoi. Et tant que j'y retourne, en fait, la salle avait fermé, tu sais, les ambiances de salle. Je crois qu'il y avait de la cam qui se vendait sous les blousons, tout ça. Bref, la salle, elle a fermé. Du coup, j'ai dû attendre la version Super Nintendo pour me friter avec mes petits potes. Mm-hmm. Donc, voilà, moi, j'ai connu que cette version-là. Et je peux dire qu'à l'époque, le premier Street Fighter 2 sur Super NES, il envoyait du lourd. Hein. Mais on ne se rendait pas vraiment compte... la différence entre la version arcade et la version Super Nintendo. Il y avait quand même un petit gap. Au niveau des musiques, et on va en parler quand je vais dire mon avis. Et quant à toi, Looping, toi, le Street Fighter 2, toi, qu'est-ce que tu as préféré, version arcade? Quel est ton Street Fighter 2 préféré? Est-ce que version arcade ou version console de salon? Et attention, quand je dis Street Fighter 2, il n'y a pas uniquement que le classique. Il peut y avoir le Turbo ou l'Hyper Fighting qui se nomme comme ça au Japon, ou aussi le Champion Edition. Ça, on avait le droit de jouer ce genre de cartes. Ok. Bah écoute, alors si je dois, je vais raconter un petit peu ma life, hein, les gars. Donc par rapport à Street Fighter, parce que c'est vrai que c'est
c'est un gros chapitre dans ma vie, hein, forcément, et dans la vie de tout gamer, je pense, et de tout gamer. Et moi, je suis en plus vraiment resté dans la fight jusqu'à présent. Donc, l'histoire de Street Fighter 2, elle arrive de, on va dire, elle arrive de plusieurs manières. Donc, encore une fois, bah, comme je vous ai dit, j'ai un grand frère qui a la cinquantaine d'années à l'heure actuelle et qui m'emmenait, que voilà, moi j'étais vraiment tout petit, avec lui j'ai découvert donc le jeu Kung Fu sur arcade, et après la bombe, c'était une bombe nucléaire, hein, Street Fighter 2, et il y avait une salle d'arcade qui était, je me rappelle même plus de l'endroit, c'est lui qui m'a ramené dans une salle d'arcade, et je me rappelle d'un joueur de Guile, et qui était archi fort. Donc si vous voulez, à l'époque déjà, dans, je crois que c'était début vraiment des années 90, à cette époque-là, vraiment tout au début des années 90, il y avait déjà des grands, des gens que je voyais comme des grands qui avaient une vingtaine d'années et qui jouaient déjà sur des bornes. Il y avait au moins plus d'une dizaine de bornes alignées avec que des Street Fighter 2 dans cette salle. Et les mecs, ils étaient tous pétés, ils étaient tous ultra forts. Donc c'était complètement hallucinant de voir des gars qui faisaient déjà, qui étaient en avance, comme si c'était des joueurs japonais en fait. Donc moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu complètement fan, bah, de ces gars-là, de toute cette équipe-là. Et je suis allé une seule fois dans cette salle-là. Donc j'ai été complètement frustré parce que j'avais plus l'adresse, j'avais plus rien du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu, je saute un peu des étapes, hein. Il y a eu, comme je vous ai dit, j'ai des bribes de souvenirs par rapport à tout ça. Il y a eu la fameuse vidéo de l'annonce avec la VHS de Super Nintendo de Street Fighter 2 qui est arrivée à l'époque. Et ça, c'était aussi une dinguerie. Donc, il n'y avait pas que Street Fighter 2 qui était annoncé, bien sûr. Il y avait plein de jeux, les Super Mario World de l'époque, etc. Mais quand j'ai vu le passage avec Ryu et Ken qui se tapent et tout ça sur le port à l'époque et tout ça, avec les barils qui se pètent, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Donc, j'ai adoré cette vidéo-là et j'attendais comme un dingue que le jeu sorte. Et après, il y a eu aussi toutes les époques à Montparnasse, parce que moi j'habitais à Montparnasse. Donc il y avait le Street Fighter 2 qui était complètement buggé, vous savez, avec, je me rappelle plus du nom, hein, c'est Street Fighter 2 où tu pouvais faire des boules à l'infini partout. Attends, il y a Cyber qui va t'éclaircir, tu disais. Ouais. En fait, il était pas buggé, c'était un hack. Et c'est un jeu auquel on a beaucoup joué nous aussi. Ce qui était juste incroyable, tu pouvais envoyer plein de boules en même temps, tu pouvais voilà. Même changer de perso, la pièce en part. Voilà. Tu finissais avec trois mecs différents, c'était juste un... Et on y a beaucoup de vraiment beaucoup aimé. Et quand, voilà, et donc en fait, on vendait des jeans à l'étage à Montparnasse, on vendait des jeans, et t'avais une mini salle d'arcade, et t'avais l'esplanade de Montparnasse, une espèce d'esplanade où les gens faisaient du roller. Et t'avais dans ce coin, et t'avais une mini salle d'arcade où t'avais ce Street Fighter 2 hacké, donc. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai encore plus pété les plombs. Donc, déjà, première étape, je me tape, avec mon frère, on voit des gars qui sont pétés sur Street Fighter 2. Après, il y a eu l'étape, donc, de la VHS de Super Nintendo qui a annoncé le Street Fighter 2 sur console. Donc, en attendant ça, il y a eu aussi, donc, à Montparnasse, au premier étage, le Street Fighter 2 hacké. Et je l'ai retrouvé à la Foire du Trône. Et c'est à la Foire du Trône, j'ai l'un des plus vieux souvenirs aussi ça, malheureusement, ça partait un peu en cacahuète à l'époque là-bas. Malheureusement, il y avait des émeutes et tout ça. Mais c'est là-bas aussi que les forains ramenaient des bornes de Street Fighter 2, classique, de le turbo. Donc, où tu pouvais monter jusqu'à 10 étoiles avec des accélérations de dingue. Moi, j'aimais beaucoup jouer à ce jeu-là. D'ailleurs, après, j'y ai joué beaucoup sur console aussi à celui-là. Et donc après aussi, bien sûr, la fameuse stance de Ryu dans 2X. Et tout ça, quand je voyais ça, je pétais les plombs. La présentation de 2X avec le Ryu énorme qui fait son Hadouken, c'était ouais. Incroyable. Et du coup, il y avait des mecs qui venaient, qui appuyaient sur start et qui te volaient des crédits. Et toi, tu pouvais rien dire. Moi, j'étais tout petit, donc les mecs, c'était des bandes et tout. Et donc, on se tapait à la Foire du Trône. Et donc, la Foire du Trône, ça a été aussi un endroit emblématique des jeux de combat. Et pour les anciens qui sont passés à la Foire du Trône, ils savent de quoi je parle. Voilà, c'est tous ces souvenirs-là, en tout cas, sur Street Fighter 2 que... J'ai pas joué au board à la Foire du Trône, mais par contre la technique de vol de crédit, ouais, j'ai connu, ouais, c'est clair. Où le mec qui vient, qui se colle à la borne et qui dit, ah, excuse-moi, j'ai appuyé sur start sans faire exprès, tu sais, j'étais trop collé, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, et puis après ça grattait la partie, tu vois. C'était la débrouille, quoi. Mais moi, c'était carrément coup de pression. C'est j'appuie sur start et je te vole ton crédit, mais clairement, c'était carrément ça, tu vois. Dans ce western. C'était l'époque bien Lacoste et tout ça, tu vois. Voilà. Ah ben, les années 90, la nostalgie. C'était ça. Alors moi, ce qui concerne... Il y a aussi une mention pour Street Fighter 2, c'était la cassette vidéo Super Nintendo.
Et c'était Cyril Drevet qui... Il y avait Cyril Drevet qui l'a présenté. Le grand maître du karaté. Ouais, Ryu, le grand maître du karaté. Et ça, franchement, j'étais ultra hypé, quoi. Et tu vois, Ryu, le grand maître du karaté, exactement. Pendant un été, la super, super Famicom, non, la Super Nintendo avec l'adaptateur et le jeu Jap, mais le premier, quoi. Et putain, on a dosé comme ça pendant un mois, comme des fous, quoi. On adorait ça, tu vois. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable, cette VHS, elle a été incroyable. Elle a été, excuse-moi, hein, je sais que même une dédicace à Guillaume d'Horizon, donc alias Azenka, qui a créé la World Game Cup, qui a fait beaucoup de tournois. J'en place une aussi pour lui parce qu'il en a parlé dans une vidéo. Et c'est vrai que ça m'a refait surgir beaucoup de souvenirs de cette époque-là où il y avait, je crois, c'était après, il y avait l'action replay où on jouait à Street Fighter 2 complètement avec des hacks et tout ça, où tu faisais un Hadouken, ça ressemblait à un pot de fleurs, le truc et tout. C'était complètement pété. Alors les persos se téléportaient carrément. Excuse-moi. Par contre, juste un truc, après toutes les itérations, moi je pensais que c'était juste des personnages en plus. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. En vrai, c'était un rééquilibrage complet du jeu. Et ça, tu peux le comprendre que quand tu joues comme un adulte, en vrai. Nous, on jouait comme des enfants. Je voyais aucune différence. Pour moi, c'était juste des personnages en plus. Alors qu'en vrai, c'était pas ça du tout, quoi. C'était un vrai rééquilibrage, c'était des vrais nouveaux jeux, quoi. Des vraies mises à jour. C'est un nouveau jeu. Exact, exact. Oui, oui. C'est clair, c'est clair. On sentait le niveau même graphique, tous les stages, les musiques, tout était incroyable dans 2X. Jusqu'à présent, 2X, c'est pas pour rien qu'il est dosé. Moi, je suis la scène du versus fighting, je suis à fond là-dedans. Je fais des interviews avec des joueurs pros. J'ai réussi à interviewer Daigo, à interviewer Tokido, etc. Donc, les joueurs de 2X, même les anciens au Japon, je suis allé au Japon l'année dernière. Et je vous assure que 2X, il a encore énormément joué. C'est vraiment un pilier du versus fighting sur lequel énormément de joueurs ont connu les bases des footies, etc. Et jusqu'à présent, sont devenus des joueurs pros. Après, des fois, dans d'autres jeux. Mais c'est l'une des grandes bases des jeux de combat. Ça restera 2X. Et ta vie ad idem aeternam, quoi. Et une question à te poser, Looping, quand tu dis qu'au Japon, 2X, c'est encore en train de se jouer à l'heure actuelle. Mais quand tu dis ce jeu-là, est-ce que c'est la version arcade ou la version 3DO? Ou les deux? Alors après, personne n'avait cette version. La console a coûté 5000 francs. Alors après, je sais, mais je tiens à rappeler que la version, juste une chose, un petit détail. La version, il est important de savoir que Street Fighter 2X sur 3DO, la 3DO est la première console de salon à l'avoir adaptée. Je dis bel et bien à l'avoir adaptée. On est bel et bien d'accord. C'était vraiment très marginal comme console. Il y avait vraiment très très peu de gens qui l'ont connu à l'époque. Quoi. C'était vraiment très cher en fait une 3DO. C'était vraiment un produit de luxe quoi, quand c'est sorti. Après, je ne sais pas si vous, dans la région parisienne, vous avez eu ça, mais nous, dans le sud, c'était soit Super Nintendo ou Sega Mega Drive. De toute façon, comme j'ai dit à Florin dans le live tout à l'heure, moi, même quand je le dis dans d'autres vidéos, la seule console que j'ai connue en dehors de la Super Nintendo et de la Sega Mega Drive, c'était uniquement l'Atari Jaguar. C'est bon, juste je ferme la parenthèse. Et moi, je dois vous raconter l'anecdote pour Street Fighter 2. Alors moi, la première fois où j'avais joué, c'était à l'âge de 3 ans. Mon frère avait acheté la Super Nintendo avec le pack Street Fighter 2, le classique. Et moi, je vous le dis, quand j'étais petit, j'avais commencé à jouer à Street Fighter 2 sur Super Nintendo et non en version arcade. Et j'ai commencé. Et le premier jeu de Street Fighter 2 que j'ai joué en version arcade, c'est l'édition Champion Edition, qui a été adaptée, Monsieur Cyber 808, sur Sega Mega Drive. D'accord. Qui est le concurrent de Street Fighter 2 Turbo. Et ensuite, c'est le Street Fighter 2 Prime qui était sur Mega Drive, je crois. Oui, Champion Edition, c'est 2 Prime en japonais. C'est le World Warrior, le premier, ok, ouais. Ouais. Là, je m'en mêle toujours les pinceaux, moi, avec les noms, mais oui, c'était World Warrior qui est sorti sur Super Nintendo 1, et après Street Fighter 2 Turbo, quand la Mega Drive, elle avait le Street Fighter 2 Prime, d'abord, et après le Super Street Fighter 2, je crois. Et juste pour en conclure, en ce qui concerne sur le sujet de Street Fighter 2, pour moi, mon meilleur Street Fighter 2, je risque d'en étonner plus d'un chez vous, et même dans le live ici présent, salut petit Pixel, c'est
C'est pour moi Street Fighter de Turbo. Parce que moi, j'aime la jaquette où il y a Honda qui est représenté, qui est en train de déglinguer Sagat, même si c'est, ça paraît pas trop réaliste. Et je préfère mille fois mieux Street Fighter de Turbo que Super Street Fighter 2 qui était sorti sur Super Nintendo. Les raisons pour lesquelles? Parce que la jaquette qui est faite par Tom Dubois, voilà, qui avait fait l'illustration Probotector aussi, qui avait fait, il faisait des super dessins quoi sur Super Nintendo. Oui, et ensuite après, ce qui a cassé le délire dans Super Street Fighter 2, parce qu'il y a rien à dire, ça a évolué, où ils ont rajouté Camille White, Fei Long, T-Hawk, DJ. Mais par contre, ce qui a vraiment cassé le délire dans Super Street Fighter 2, dans la version SNES, c'est les musiques et les décors. Par exemple, pour le stage du bonus où vous cassez la voiture, sur Super Street Fighter 2 sur SNES, l'eau elle est verte. Depuis quand l'eau de la mer est verte? On peut dire l'eau du lac est verte. Tu verras que l'eau est verte hein, à la mer. Tu vois, dans le nord, tu vois la Manche. Bon, moi, j'étais habitué à la mer Méditerranée. Si je peux me permettre, l'eau, elle est censée être bleue ou bleu marine. Mais après, quand il y a des algues et quand il y a le reflet du soleil, elle peut paraître verte à l'œil humain, en fait. Tout dépend des reflets, l'effet de lumière en fait, que tu as en face de toi. Oui, tout à fait. Et voilà, et c'est pour ça qu'en ce qui concerne, que moi je trouve que c'est Street Fighter de Turbo. Mais attention, Street Fighter de 2X, j'ai une admiration, surtout au niveau des musiques, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais après, c'est de l'arcade, c'est pas du 16 bits. Et tandis que moi j'ai beaucoup aimé la version 3DO, vous allez me dire comment j'y jouais, ça, comme un peu tout le monde, via l'émulation. Ah d'accord, mais pourquoi tu jouais pas à la version arcade? Ça reste la meilleure version quand même de Street 2. Si, j'avais joué en version arcade, oui. Après, honnêtement, en arcade, quand tu contrôles l'ordinateur, il est super dur, hein, 2X7. Ben... Et déjà même, il faisait exprès. Tu mettais comme ça, tu remettais ta pièce derrière. Moi, je sais que sur KOF, King of Fighters, pareil. Non, mais c'est des machines arcade. Désolé. Quand tu vas finir le jeu avec une pièce. Ah, le 1CC, ouais, il faut s'accrocher, quoi. Il faut recommencer. Si tu finis le jeu avec une pièce, c'est que ça a mal. Les régimes, ils étaient en mode dur. Et sans compter que dans les compétitions, dans les tournois Street Fighter 2X, il était formellement interdit de prendre Akuma. On est bien d'accord, Looping? Toi, vu que toi, tu es au courant. Dans les tournois Street Fighter et tout. Oui, bien sûr. Parce que c'est un personnage caché, donc fortement. Personnage caché, et ça pouvait... Et si, par exemple, un joueur le maîtrisait, pouvait gagner le tournoi facilement, et c'était considéré comme de la triche. Exactement. Gouki est interdit, ouais. De gagner Gouki, facilement. Voilà. En tournoi, tu gagnes rien facilement. C'est-à-dire que le mec, il peut prendre même un lot tiers et te bousiller en 4 tellement ça va vite à 2X. Alors ça moi, quand je... À 2X, 3 hits stun, 4 hits, le round est fini. Le round est fini, tu vois. Ça va trop vite, en fait. Et c'est pour ça qu'il est incroyable. DJ, en jouer aujourd'hui. Honda, DJ, Ryu, pratiquement Ken. Surtout, je dirais DJ. En 3 phases, t'es mort. Ça va extrêmement vite. De toute façon, je ne cherche pas le meilleur street, c'est le first strike. Il n'y a pas débat. Hein. Pardon? Le meilleur street fighter. Non, moi je suis pas. Street Fighter 3? Non, je suis pas d'accord. Ouais, j'aime beaucoup. Street Fighter 3, New Tech City, tu as dit? Le meilleur street fighter, c'est le plus beau, visuellement. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur au niveau gameplay parce qu'il est très fluide et tout. Mais moi, je le trouve un petit peu trop complexe à mon goût, en fait. Tu t'amuses à partir du moment où tu maîtrises le pari. Si tu maîtrises pas le pari, tu peux pas t'amuser à First Strike. Donc tous les gens qui ont pas joué à First Strike, c'est des gens qui n'ont pas compris le système du jeu via le pari, sachant que t'avais le pari en l'air, au sol, t'avais le raid pari. Donc à partir du moment où tu maîtrises pas le pari, First Strike, tu découvres un autre jeu quand tu maîtrises le pari et... Après, sans le maîtriser, tu peux aimer sans maîtriser le pari, mais ça part beaucoup de ce truc-là. Quoi. Ah, il y a les gardes en l'air aussi, ça change beaucoup par rapport à 2X, le fait de pouvoir mettre en garde sur les sauts. En l'air, comme l'alpha, comme les 0, 1, 2, 3, tu avais la garde aussi en l'air, tu avais le break aussi dans l'alpha,
comme dans First Strike, c'est des jeux qui sont, c'est des Street Fighter qui sont pas énormément joués de, par énormément de gens, de par leur particularité au niveau défensif et offensif. Ah, par contre, il y a beaucoup joué le First Strike sur, sur Fightcade aujourd'hui. Il y a beaucoup de, je pense que oui, les jeunes versus, ils ont plus de facilité sur un jeu comme ça parce qu'il est plus souple. Il est plus souple. En plus, tu peux tout comboter, tu sais, tu peux tout, je sais pas, je sais plus comment on dit, c'est quand tu fais un coup. Linker, ouais. C'est, tu peux tout linker, tu vois. Donc, il est vraiment, il est très technique. Fluide. Il est fluide. Tu joues contre un, en fait, le gap entre un bon joueur et un joueur moyen, il est énormissime, tu vois. Il est vraiment énormissime. Il n'y a pas de hasard dans, dans 3-3. Tu pourras pas gagner en faisant un peu de Ouais, bah, j'ai une petite anecdote là-dessus sur 3-3. En fait, à l'époque, donc, comme je dis, il y avait deux grandes salles. Il y avait une grande salle à Châtelet et une salle dans Châtelet-Léal. Donc, on allait tout le temps, sorti du collège et ça, on allait tout le temps jouer au X-Men versus Street Fighter, etc. Il y avait le 0-1 sur un énorme écran. Et le Surf Strike, il était dans une salle, dans les Halles. Dans un coin, en fait, un peu à part, à côté d'Okutonoken. Donc, déjà, Okutonoken, j'y comprenais rien. C'était les coffers qui jouaient à Okutonoken et qui débloquaient les gros combos, etc. Donc, je trouvais ça impressionnant. Donc, je regardais plus que je jouais à Okutonoken. Et Surf Strike, comme le cast a énormément changé entre 2X et 3.3, Juste une chose. Attends, ouais. Guy13, tu redis encore des propos déplacés à l'encontre de mes invités ou à l'encontre du chat. Je te bande de la chaîne. Modérateur, si vous les modérateurs ici présents, vous constatez que Guy13 dit des propos déplacés à l'encontre des personnes qui participent dans le vocal ou dans les commentaires, t'es banni de la chaîne. Je te le dis, je t'ai prévenu. D'accord ? On est là pour échanger nos passions, on n'est pas là pour s'insulter. Tu veux faire le gamin et il y a la cour maternelle. Je te le dis d'entrée. Veuillez m'excuser. Tu peux répondre. Moi, les propos déplacés. Les propos déplacés, j'admire pas. Les insultes, les propos déplacés, ça, je tolère pas, d'accord ? Si vous voulez qu'on vous respecte, alors rendez le respect comme on vous le passe. Je vous le dis. Parce que vous faites les fanfarons derrière vos écrans, mais quand on vous croise dans la vraie vie, c'est pas pareil. Je vous le dis. Tu peux reprendre le ping, désolé. Voilà, les points sur les i, sur les t. Voilà. Je te le dis, Guy13, t'es prévenu. Encore un truc, t'es banni à vie de ma chaîne, je te le dis. Après moi, je l'aurais viré. On va dire que il y a des gens qui ont un amour mal orienté des jeux vidéo. On va dire que lui, son amour est très très mal orienté. Voilà. Donc pour revenir au sujet, donc comme je vous ai dit, donc il était un peu dans un coin de la salle, alors que c'était une salle d'arcade où il y avait les meilleurs coffers d'Île-de-France, même de France, hein, qui venaient. Donc au premier étage, il y avait tous les coffres 94, 15, 16, 17 jusqu'à à peu près 97, je crois, ou 98. Donc il y avait tous ces coffres là à l'étage et en dessous, comme je vous ai dit, le Surf Strike, il était dans un coin et il était très peu joué dans cette salle là. Donc à l'époque, je me suis pas intéressé à Surf Strike. Et je suis passé à côté d'un chef-d'œuvre, en fait. Donc, c'est il y a quelques années que je me suis vraiment mis à doser Surf Strike et à kiffer. Et pour l'instant, le pari, c'est pas encore ça, mais voilà, petit à petit, on y arrive. Mais c'est vrai que de passer d'un cast avec Ryu, des personnages qui étaient vraiment emblématiques avec Sagat, etc., qui étaient faits d'une certaine manière graphique, et qu'on passe à Alex, à des personnages comme Q, voilà, des personnages qui sont vraiment typiquement japonais, Makoto, etc. Franchement, j'étais complètement perdu, et c'est pour ça que je suis passé à côté de ce chef-d'œuvre à l'époque. Voilà. Alors, ce que tu dis, je me rappelle, moi, avoir mis une pièce dans Street Fighter 3. Pas ni le second machin, ni le troisième, tu vois. Le premier Street Fighter 3, personne n'y jouait. Il y avait les Tekken, il y avait X-Men versus Street Fighter. Ouais, c'était l'époque de la 3e. Personne n'y jouait, quoi. Et j'avais essayé et franchement, ça m'avait même pas plu. Tu sais, je me suis dit, ouais, c'est là, trop changé, c'est trop bizarre, j'y arrive pas, tu vois. Bon, j'avais rien compris au jeu, tout simplement. Juste, je dois vous dire une chose, parce que vu que c'est Florian de la chaîne New Tech City qui a ouvert le sujet sur Street Fighter 3, toi, par exemple, Street Fighter 3, tu as parlé de First Strike, mais est-ce que pour toi, Street Fighter 3, de la première version jusqu'à la version First Strike, est-ce que pour toi, Street Fighter, parce que là, ça fait partie du sujet. Et bien sûr, Cyber et Looping, vous pourrez bien sûr donner votre avis sur ce que va dire Florian. Est-ce que pour toi, Street Fighter 3, ça a évolué, l'univers de Street Fighter a évolué ou a régressé? Looping et après Cyber, vous pourrez dire votre avis et après, je conclurai, c'est moi qui en conclurai après.
Vas-y, tu peux dire Tech City. Mais il a complètement progressé. Tu trouves complètement, déjà graphiquement. Les personnages, ils ont complètement changé. Ils ont fait l'impasse sur plein de personnages. Honda, il n'est plus là. Enfin, on a plus d'autres qui sont partis. Au niveau du gameplay, c'est pareil. Ils ont rajouté les fameux paris. Non, mais il y a tout évolué. Après, moi, mon préféré, il y a eu trois fois le 3, en fait. Moi, ma préférée, c'est la deuxième version. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu gagnes un combat, tu vois la gueule de tes adversaires que tu as battu complètement éclaté. Et ça me fait toujours kiffer de voir leur gueule en sang. Mais. Voilà, parie que dans First Strike, ça a été censuré, c'est ça ? Dans le troisième, moi, tu n'as plus les gueules ensanglantées des adversaires. C'est un peu dommage. Très bien. Ben alors, Cyber 808, eh ben, à toi de dire ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas ? Après, ce sera Tu peux répéter la question, du coup, parce que j'ai pas. Est-ce que tu es d'accord avec l'avis qu'a donné New Tech City en ce qui concerne pour que le fait que ça a évolué, les Street Fighter 3, et le fait qu'il préfère le 2, il explique les raisons et ses anecdotes. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Tu partages son avis ? Ou pas totalement ? Tu es mitigé. Je préfère le 2 aussi de par sa simplicité, son accessibilité. Et malgré les apparences simples, il est quand même très complexe, mais il est très compétitif. Après, aujourd'hui, il y a eu le 3, il y a eu le 4, il y a eu le 5, il y a eu le 6. Et oui, à chaque fois, c'est modernisé. C'est excellent ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, je suis vraiment en admiration devant ce qu'a réussi à faire Capcom, contrairement à d'autres éditeurs comme Konami ou autres. Capcom perdure et Capcom a su rallumer la flamme du versus fighting, et là c'est même excellent parce qu'il rajoute même des persos SNK. Donc cette ouverture, je trouve ça génial. Donc force à Capcom. Et sinon, moi, mon préféré, ouais, comme New Tech, c'est le 2, hein, perso. Très avis. Bien. Ben, Looping, à ton tour, et après j'en conclurai, je dirai mon avis. Alors c'est donc en gros lequel je préfère, c'est ça, les streets, c'est ça? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Florian de la chaîne New Tech City pour le fait qu'il dit que ça a progressé après Street Fighter 2, et est-ce que lui, pourquoi il préfère la deuxième version de Street Fighter 3, le second Impact? D'accord. Alors c'est oui, on peut appeler ça une forme de. Moi, je dirais que c'est une forme de progression, mais c'est surtout un changement de direction. Donc, que ce soit les graphismes, que ce soit au niveau des combos, on peut dire qu'il y a une progression au niveau des combos, puisque les combos de 2X sont assez simplistes, même si certains sont très ce qu'on appelle des just frames. Donc, il fallait avoir un timing vraiment bien précis pour placer des light punch, moyen punch avec une super derrière dans 2X. C'est beaucoup plus simple dans 3.3 de faire light et d'enchaîner une super et de faire un gros combo. Donc c'est vrai qu'il y a une progression là-dessus, il y a une direction artistique qui est différente au point de vue graphisme. Donc moi, à l'époque, j'étais complètement déçu de la direction graphique, le côté manga que ça avait pris, le côté un peu pastel et tout. Moi, j'étais pas du tout fan ni de la character list avec Makoto, Q, des personnages assez bizarres comme Necro, un espèce de Dalsim désarticulé. Je trouvais que c'était, j'ai l'impression que c'était plus Street Fighter pour moi, le 3. Donc après, entre le 2 et le Real Impact, là, le 2 et le 3, j'aime les deux jeux parce qu'ils sont complètement différents, les musiques, les stages, les combos. Pour moi, c'est vraiment, même si ça reste du entre guillemets du Third Strike, ça reste deux jeux complètement différents. Donc je kiffe les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Je dirais que le 2, je le kiffe pour les stages, les musiques, et au niveau combo, il y a un progrès entre le deuxième Third Strike et le troisième. On voit bien qu'au niveau des combos, il y a plus de fluidité, il y avait d'autres personnages. Donc je trouvais que le 3 était vraiment l'aboutissement de Third Strike. Après, si je dois faire un classement de tous les Street Fighter, je joue actuellement au dernier Street Fighter. Alors le mode moderne, moi, ça m'a donné envie de vomir personnellement. T'appuies sur un bouton, il fait Hadouken. Non, Hadouken, ça a toujours été car avant-point. Je veux dire, appuie sur un bouton, faire des trucs automatiques. En plus, maintenant, les mecs qui jouent à la hitbox, donc pour ceux qui connaissent pas la hitbox, hein, t'as plus de stick, c'est des raccourcis pour pouvoir
faire les coups plus facilement. Je veux dire, c'est pour moi tout ça, c'est de la triche en fait. Donc déjà les joueurs manettes de base, ils m'ont honnêtement, ils m'ont dégoûté. Voilà. Et après moi, je big up encore une fois à Luffy qui a en 2014 qui a gagné sur Street Fighter 4 l'Evo avec une manette PS1, c'est quand même incroyable. Donc je respecte les joueurs manettes. Hein. C'est pas que j'ai pas de respect pour les joueurs manettes, mais pour moi, venant de l'arcade. Et après, on a eu des sticks à la maison. Je trouve que les jeux de combat, ça s'apprend sur un stick et pas sur une manette. Même si aujourd'hui, il y a des champions à la manette. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé le Street Fighter 4. Moi, j'ai beaucoup aimé le Street Fighter 4 comparé au 3. Et j'ai beaucoup aimé le 2X et le 6. Mais attends, une seconde. Quand tu dis, avant que je parle à la conclusion du poteau Florian. Quand tu dis tu parles de Street Fighter 4, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu Street Fighter 4, oui. Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition et Ultra Street Fighter 4. Attention, je voulais savoir, il est important que tu le dis, que tu le précises. Oui, alors en fait, Street Fighter 4, j'ai aimé toutes les versions parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je suis revenu dans entre guillemets dans le game et que avec la chaîne YouTube j'ai commencé à faire des interviews. Donc toutes les versions de Street Fighter 4 pour moi sont terribles. J'ai pas trop tryhard la première version, donc la celle où Sagat était complètement top tier, était l'un des persos les plus pétés. Avec dans l'arcade édition c'était Camille. J'ai beaucoup taffé l'arcade édition. J'ai beaucoup aimé l'arcade édition. Et l'Ultra Street Fighter 4, je le dose encore à l'heure actuelle. Et forcément, c'est la dernière version du jeu. Et c'est pour moi, bah forcément, il y a les quatre personnages avec des Capri que je kiffe particulièrement. Hugo, Poison, c'est Hugo Poison et Rolento. Sachant que on va en parler là dans le débat, ce sont des personnages de Final Fight. Et vu que Final Fight c'est un spin-off de Street Fighter, ça fait partie du même univers. On va en parler dans le débat. Alors Florian, alors moi je vais te dire une chose, et bon c'est pareil pour vous Cyber et Cassius. En ce qui concerne moi pour mon ressenti sur Street Fighter 3 et les versions. Alors je risque d'en étonner plus d'un. Je me dis, les jeux ça se joue, il n'y a rien à dire niveau graphisme, mais niveau personnage et un peu niveau scénario, ça a un peu régressé. Raison pour lesquelles. Attendez, bien sûr, je tiens à préciser, c'est mon avis personnel. Très peu de gens le savent, et peut-être que vous le savez, mais très peu de gens le savent. Mais le saviez-vous que Ken et Ryu ne devaient pas apparaître dans les premiers Street Fighter? Si, à la base, c'était Ryu. Non, prévu, à la base, mais... dans la création, non, ils n'étaient pas prévus. Juste, je m'explique. Parce que, en fait, sachant que dans Street Fighter 3, Ken Master a un élève brésilien qui s'appelle Shen Matsuda. Shen Matsuda, qui est un hippo-brésilien. Et quand on voit que oui, on voit le kimono, il a le kimono jaune, la même dégaine, mais on voit que son pouvoir, ce n'est pas un ado, c'est de jeter un ballon de basket. Mais à un moment donné, je ne sais pas quoi. Où on va? Attends, Ken Master, lui, il apprend à faire un ado. Ou un ballon de basket. Et c'est pareil, le Shoryuken n'est pas terrible de Shen Matsuda. Et le fait qu'il ne devait pas apparaître Ryu et Ken, et qu'est-ce qui a pu permettre de refaire apparaître Ryu et Ken dans Street Fighter 3, c'est que parce que Capcom a réfléchi à deux fois, par peur des polémiques et de la colère des fans, Ryu et Ken ont été rajoutés au dernier moment dans le programme. Et malheureusement, très peu de gens le savent. Et ça, c'est triste à dire et à entendre. Et qu'est-ce qui ne m'a pas plu aussi? Il n'y a que quatre personnages des précédents Street Fighter qui ont été gardés. Ryu, Ken, Chun-Li et Gouki Akuma, comme vous préférez. Si vous êtes de la team Gouki ou Akuma, bon, pour moi, c'est pareil. Mais moi, ce que je trouve totalement inadmissible, les personnages emblématiques, parce que dans Street Fighter 2, il n'y a pas que Ryu et Ken, il y a quand même Guile, il y a quand même Dhalsim, il y a quand même Sagat, il y a quand même Balrog. Et bien sûr, moi, j'ai constaté que dans les Street Fighter 3, il y a un manque d'originalité. Et quel est le manque d'originalité? On a un personnage qui s'appelle, il me semble, Oro, qui est une sorte d'un copier-coller de Dhalsim. On est d'accord que voilà, il ressemble beaucoup à Dhalsim. Il y a quoi d'autre aussi comme personnage qui a un manque d'originalité? Et ça, ça ne peut pas passer inaperçu. C'est l'autre boxeur, un boxeur anglais,
On a déjà eu un boxeur dans Street Fighter 2 afro-américain. Et là, on la, même chose, un... la même chose. Et là, on nous met presque la même chose, qui est plutôt un boxeur afro-britannique, mais qui est un gars peace and love, qui aime boire le thé, tout ça et tout. Et ça, il y a un manque d'originalité. Après, ce qui était bien dans Street Fighter 3, dans les points positifs, les boss étaient badass, comme Urien et son frère Gil. Son frère Gil, là oui, sur ça, il n'y a rien à dire. Ça a changé contrairement, parce que je rappelle que dans le tout premier Street Fighter, le premier boss, c'était Sagat. Le deuxième, c'était Vega, plus connu chez nous sous le nom en Europe de M-Bison, parce que bon, ça a changé à cause des politiques. Ça, on va peut-être en parler dans le sujet. Mais après, les boss, ça a changé. Mais ce qui a cassé le délire, c'est voilà, le manque d'originalité et ils n'ont pas respecté l'élève de Ken Masters. Et bien sûr, le fait qu'il y a eu Street Fighter 5, les événements de Street Fighter 3 ne sont pas canons. Alors, Looping, je ne sais pas si tu es au courant. Cyber et Florian, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà, ben c'est ma conclusion et c'est mon avis en ce qui concerne pour Street Fighter 3. Moi, je trouve que ça, à la fois, comme la bourse de Paris, ça a à la fois un peu monté et descendu. Ça, ça a été comment ça s'appelle, comme ça, quoi. Des hauts et des bas, quoi. Moi, j'adore le... Personnellement, j'adore le boxeur de 3-3 parce qu'il joue un peu... avec des cartes de cercle et tout. Il s'appelle Dudley, ouais, Dudley, ça y est, je me souviens. Dudley, ouais, c'est ça. Donc, il joue avec des cartes de cercle et tout, donc ça n'a rien à voir avec le boxeur de 2X. Après, ouais, je te rejoins, les persos, ils ont un charisme un peu bizarre et tout, c'est un petit peu dérangeant. Et il manque des personnalités fortes qui étaient présentes dans Street Fighter 2, donc c'est, ouais, c'est une des raisons qui me fait que 3-3, malheureusement, j'aime bien, mais c'est pas mon jeu de cœur, quoi. D'accord. Bon, ben maintenant on a parlé de Street Fighter 2. Alors bien sûr, je vais afficher les commentaires de ceux qui témoignent de ceux qui en parlent. Ça va concerner Street Fighter, mais on va en parler juste déjà. En plus, il y a quelque chose qui peut t'intéresser pour toi, Cassius. Alors ouais. De Mac Gamer qui dit sans même parler du 6 sur PS4 qui m'a totalement dérivé des vrais Street Fighter d'époque. Qu'est-ce que tu penses lui de son avis? Il a dit quoi de la PS4? J'ai pas compris, excuse-moi. MyGamer dit, sans même parler du 6 sur PS4, qui m'a totalement dérivé des vrais Street Fighter d'époque. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une différence entre le 6 et les anciens Street Fighter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mode moderne, t'appuies sur un bouton, ça fait un Hadouken tout seul. Dans aucun autre Street Fighter, tu retrouves ce genre de truc. Après, il faut pas oublier que c'est un business. Les gens... oublie que nous, on est des joueurs, on est là pour kiffer, c'est normal, mais il faut rappeler que c'est un business. Ono, s'il fait le tour de la planète pour essayer de vendre le jeu, c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs pros qui font avancer le jeu avec tous les bugs, etc. et tout. C'est pour les tournois professionnels, c'est pour aussi mieux vendre le jeu. Donc c'est vrai que Street Fighter 6, comme Street Fighter 5, on peut dire ça même comme Street Fighter 5, et sont des jeux complètement à part, différents. Et le 5 comme le 6 ont été très simplifiés au niveau des combos, des ouvertures de garde et surtout des combos, je dirais, pour pouvoir donner une accessibilité, on va dire, à un plus grand public et faire plus de ventes. Hein, et c'est pour ça que le jeu, jusqu'à présent, est encore en vie. C'est parce que et c'est pour ça que sur les tournois, vous retrouvez, par exemple, sur les tournois de 2X, de 3.3, généralement, des finalistes, 3.3, vous retrouvez Genki. Vous allez retrouver des mecs comme il y en a un qui est venu ici à l'Extra Life où je suis actuellement, qui était venu il y a pas longtemps pour faire le HFS, il a gagné le HFS, qui s'appelle, je crois que c'est Pierrot, si je m'entends pas, j'ai oublié son nom, bref, c'est le meilleur Rémi au monde qui était là sur 3.3. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ils ont simplifié le jeu pour que ça s'ouvre au plus grand public, parce que sinon, comme le fighting game, c'est déjà des jeux de niche. Ils se sont dit comment on peut faire pour en vendre plus. Bah il faut simplifier le jeu, il faut arrêter avec tous ces comme je vous ai dit les just frames qu'on avait jusque dans Street Fighter 4 et qu'on a un petit peu dans Street Fighter 5 mais beaucoup moins. Donc c'est pour ça que dans Street Fighter 5 vous avez le système de crush counter et qui vous permet derrière d'allumer le mec avec d'autres systèmes mais qui sont plus simples pour que ce soit pour que ce soit abordable pour le plus grand public. Donc c'est encore une histoire de pognon et d'ouvrir le truc de manière internationale. Enfin, juste, si tu permets, c'est pas qu'une histoire de pognon parce que il en va de la survie du versus fighting en fait.
si tu n'arrives pas à ramener les jeunes joueurs dans le business, c'est la mort du versus. Et c'est là où Capcom a été très intelligent. Et en plus, je pense que tu me rends là-dessus, c'est que ils ont quand même conservé la possibilité de jouer au stick. Et t'es quand même compétitif au stick. Il n'y a pas une façon de jouer qui est privilégiée par rapport à l'autre. Donc c'est là, pour moi, là-dessus, ils ont quand même été très forts. Et je pense que c'est nécessaire de rendre le jeu plus accessible, parce que un mec qui a jamais joué un versus, tu lui demandes de sortir un Dragon Punch, une super, un combo, un truc, il va galérer, quoi. Donc pour un jeune joueur aujourd'hui, c'est plus instinctif d'appuyer sur un bouton. Les mecs qui jouent sur leur téléphone, pour eux, c'est logique, en fait, tu vois. Ils n'arrivent pas à comprendre notre logique qui était il faut mériter ton coup spécial, tu vois. Pour lui, le coup, il est dans le jeu, il va pouvoir le faire facilement. Mais c'est vrai que c'est notre logique. Mais d'un autre côté, c'est lié à. Ouais, ce que tu dis, c'est clair, c'est générationnel. C'est-à-dire que la génération, comme tu dis, joue sur leur téléphone portable. Donc, ils veulent pas se prendre la tête à faire des cartes de cercle, comme tu pouvais avoir des combinaisons très compliquées sur les anciens Fatal Fury, par exemple, où tu faisais, car avant, demi-car arrière, diagonale avant, et là, ils sortaient une furie, le mec, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, il y a aucun jeune qui a envie de se prendre la tête à faire ce genre de manip pour sortir une grosse furie. Donc, c'est vrai que, lié au business, ils ont simplifié le truc, et c'est lié aussi à toute cette nouvelle génération de joueurs qui n'ont pas connu toutes les prises de tête que nous on a pu avoir parce que moi je sais que personnellement j'ai avant de faire un Hadouken ou un Shoryuken, que surtout à l'époque on jouait en arcade, donc tu mettais ta pièce, donc tu perdais contre l'ordinateur, et au début tu sortais des Hadouken au pif, et petit à petit tu ne comprenais comment il fallait faire, malgré que sur les bornes d'arcade t'avais écrit, tu sais, comment il fallait faire les manips, mais pour nous c'était un casse-tête chinois, quoi. C'était un peu extraterrestre, hein. Donc ça, je sais que moi ça m'a pris des années avant de pouvoir faire maîtriser des ados. Et pour moi, venant de l'ancienne école, pour moi, tu dois passer par là pour pouvoir être un vrai joueur aguerri. Mais c'est vrai que lié à la nouvelle génération et à ce truc de vouloir faire survivre le versus fighting, ils se sont dit, bon, on va faire des trucs très simples. Comme ça, on va pouvoir vendre plus de jeux et il y aura plus de compétiteurs. Et plus il y aura de compétiteurs, plus il y aura du cash price et plus ça donnera envie aussi aux noobs, entre guillemets, aux noobs, aux débutants. Donc je comprends leur démarche. Mais c'est vrai que venant de l'ancienne école, pour moi, tu devais, un peu comme Ryu, quoi, te forger, en fait, pour devenir un vrai joueur. Coups, alors très bien. Bon, voilà. En tout cas, tu as répondu comment s'appelle pour MacGamer, ça c'est très bien. Alors bien sûr, là on va passer dans le sujet, on va toujours être dans le sujet, mais on va passer au jeu Beat Them All. Alors bien sûr, Florian de la chaîne Tech City, on t'a pas trop entendu parler. Ouais, alors on va parler. Alors quel est ton on va parler des jeux de Beat Them All de génération 16 bits et arcade. On va quand même les associer comme ça au moins. On reste dans le sujet. Quel est ton jeu de Beat Them All sur jeu d'arcade ou jeu de console dont tu as eu vraiment un coup de cœur, ton préféré, Florian, et explique-moi pourquoi. Et si tu as même une anecdote, n'hésite pas. Mon préféré actuellement, là, Street of Rage 2. Hein. Street of Rage 2 ? Ouais, ton Mega Drive. Moi, j'ai tout testé, hein, les Final Fight, les jeux d'arcade qu'il y a avec Dinosaur et compagnie, quoi. Voilà, pour moi, c'est musicalement, graphiquement, la movie, tout est parfait, le jeu est parfait. C'est une œuvre d'art, tout simple. La bande son, je peux l'écouter dans la voiture, en faisant du sport. Tout est calibré, c'est impeccable. Je sais pas, ils ont fait un truc, les gars, ils ont été touchés par God. Mais pour moi, c'est mon petit chef-d'œuvre à moi. Cadillac and Dinosaur, c'est ça ? Non, il parlait de Street of Rage 2. Ah, autant pour moi. Ah, okay. Alors moi, je te rejoins là-dessus, parce que moi, pourtant, sachant que ma console de cœur, c'est la Super Nintendo, mais moi, j'ai une grande admiration pour Street of Rage 2. Il est dans mon top 3 de mes jeux Beat'em All préférés dans le rétro gaming. Et déjà, bon, bien sûr, ne jamais poser la question à Cyber808 qui est ton Street of Rage préféré, car j'en ai bénéficié à l'Edge Convention. Réponse d'un vrai DZ. Bon, après... Ouais, enfin, moi, c'est... Oui, c'est trop compliqué, là. J'aime trop les trois pour en choisir un parmi les trois. Mais il n'y a pas de souci. Après, dans le 3, comme on a une discussion, c'est mieux de jouer avec la version japonaise parce que c'est plus détaillé. Plus facile aussi, surtout. Les sont un peu plus difficiles, je crois, les autres versions. Okay. Street of Rage 3.
Ah, d'accord. Le 3, Florian. Ouais, il est beaucoup plus facile en Jap. Quand tu mets en mode normal. Effectivement. Un gameplay de fou, il est très nerveux. Alors en plus, j'ai appris très récemment, parce que moi, je l'ai fini, quoi, mais j'ai appris très récemment en regardant une vidéo de DGGX qu'il a des inputs un peu spéciales et des coups un peu spéciaux que j'arrivais à faire, mais sans comprendre comment ça sortait. C'est-à-dire que tu sais, les coups que tu peux faire avec les étoiles, là, bah, en fait, tu peux les faire même avant, en mode 6 boutons. Bon, je ne sais même pas. Ouais, super dur à faire. Effectivement. Au stick, c'est faisable. Donc à jouer en émulateur, ouais. Parce que sur Mega Drive, si t'as pas de. Je sais pas s'il y a des bons sticks sur Mega Drive, mais en émulateur, apparemment, en 6 boutons, ça se joue vraiment très très bien. Moi je vous le conseille parce que c'est vrai que les musiques sont étranges, les décors parfois sont un peu étranges aussi. Mais en termes de gameplay, il est exceptionnel le 3. Hein. Vraiment très très dynamique. Alors oui, pour ce qui concerne pour Street of Rage 3, parce qu'en fait, la version. Internationale européenne, elle est très difficile parce que pour faire la vraie fin, on est contraint de choisir un mode hard et ensuite, bien sûr, on doit sauver le chef de la police. Et dans la version japonaise, c'est le général Petrov. Mais par contre, dans la version japonaise, c'est plus détaillé niveau scénario et surtout quand vous jouez même en mode facile, tant que vous faites vous pouvez avoir la bonne fin. Et en plus, le mode normal de la version japonaise correspond au mode easy de la version euro et le mode hard de la version euro correspond au mode hardest de la version Jap. Donc, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Ils changeaient les modes de difficulté, j'ai jamais compris pourquoi. Mais après, surtout que les Japonais jouent mieux, quoi, normalement, donc c'est ridicule, quoi. Ils voulaient nous punir, peut-être, je sais pas, j'ai jamais compris. Après, avant de revenir en Super Nintendo Mega Drive Arcade, on va passer à les bits et molles de jeu Neo Geo. Et bien sûr, ce sujet va concerner pour toi, Florian. Et Looping et Cyber vont donner leur avis. Alors, Florian, je suis généreux. Deux jeux bits et molles, Mutation Nation et Burning Fight. Tu commences par Mutation Nation. Après, tu fais Burning Fight. Tu me racontes tes anecdotes, si tu as eu un coup de cœur et qu'est-ce que tu as remarqué. Mutation Nation, après Burning Fight. C'est parti. Bah moi, c'est simple. Après, trop de paroles, on se rattrape sur le coup. C'est simple, Mutation Nation. Moi, quand j'étais gosse, on a connu les consoles plus. Et la fameuse double page où tu avais le fameux camion rouge avec des gros sprites géants. Ça me faisait baver. Moi, j'avais la Super NES. Les tout petits sprites, quoi. Donc, dès que j'étais adulte et que j'ai eu les moyens, premier jeu, Mutation Nation. Et donc voilà, je me suis défoulé, j'ai appris que le gameplay quand même, il était assez archaïque, mais en développant bien, en tryhardant bien, tu découvres des combos un peu cachés qui ne sont pas sur la notice. Par exemple, les coups avec le haut, quand tu laisses le haut appuyé ou vers le bas, une tuerie. Par contre, voilà, bon, tu compares un Street of Rage 2, mon cœur balance plus pour Street of Rage 2. Mais voilà, le délire arcade, il est là, tu as les bonnes sensations, le joystick et tout, il n'y a pas de... Et pour le jeu Burning Fight ? Burning Fight, moi, j'ai pas trop d'anecdotes quand j'étais petit. Je l'ai actuellement, j'y joue. Il est vachement archaïque. Hein. C'est la réponse, paraît-il, de SNK par rapport à Final Fight. Bon, là, par contre, t'as pas grand-chose comme coup. Ce qui est marrant, c'est que tu peux jouer avec Ryo Saiba de City Hunter. Oui. Le décor ressemble à City Hunter. Et Ryo, il s'appelle Ryo Saiba. Et il ressemble à Nicky Larson, ni Ryo Saiba, tout à fait. Voilà. Il est là avec son petit pétard. Il est sympa, mais tu sens que c'est les premiers beat'em all de SNK, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Tu peux rentrer dans les magasins. Moi, j'ai beaucoup aimé. Des magasins. Et c'est assez marrant, mais il y a beaucoup mieux, quand même. Alors, Looping et Cyber 808, vous pouvez donner votre avis à Florian de façon brève, parce que dans les prochaines secondes, un invité surprise arrive. Super. Burning Fight, ouais, énorme ambiance. T'es au fin fond du Japon, on sent vraiment que t'es au Japon. Par contre, le gameplay quand même je le trouve assez frustrant. Et en plus, je le trouve dur quand même. Pas évident le jeu. L'autre, c'était quoi déjà? L'autre jeu, le bon jeu là avec les aliens. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Mutation Nation. Mutation Nation. Ouais, très sympa Mutation Nation. Déjà graphiquement, pareil que pour
New Tech City, j'ai plus ton prénom, mais ça nous faisait rêver, quoi, dans les magazines. C'est, le premier souvenir qui me vient en tête, c'est les screens, quoi. C'est des jeux, on les a pas vus tourner. Moi, je les ai pas vus tourner à l'époque, ceux-là. Ils n'étaient pas dans la fête foraine, ceux-là. Et, puis, mention spéciale aussi pour les Sengoku. Énorme en termes d'ambiance, des BTU, en BTU Neo Geo. Voilà. D'accord. Et Looping, à toi de dire ton avis sur Mutation Nation et Burning Fight. Ce qu'a dit le sujet qui a été élaboré à Florian. Bah après, je dirais que personnellement, j'y ai pas forcément joué à l'époque. En tout cas, j'ai pas vraiment de souvenirs de ces jeux-là, Burning Fight ni Mutation Nation. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, j'ai pas envie de, je peux pas trop m'étaler là sur ces deux jeux particulièrement. J'ai dû forcément. J'ai testé tous les jeux, pratiquement tous les beat'em all possibles sur toutes les consoles. Donc j'ai dû y jouer sans même me souvenir que c'était Burning Fight ou Mutation Nation. Après, d'accord, moi les souvenirs que j'ai, c'est par exemple Altered Best, E-Swat, Super à l'Est. Après des jeux comme ça. Après Street of Rage, bien sûr. C'était les jeux que j'ai vraiment dosé à l'époque. C'est vraiment voilà les gros classiques. Altered Best, pour moi, c'était le best. Hein. C'est graphiquement, on était rentré dans un truc énorme. Et E-Swat, c'était tellement futuriste pour l'époque. Et je me rappelle que le jeu, bref, je l'avais eu d'une manière un peu un peu spéciale. Donc c'est pour ça que c'est un jeu du cœur. E-Swat, c'était un peu Robocop avec des ailes, il peut faire une armure qu'il a petit à petit, et voilà c'était incroyable comme beat'em all. Donc c'est vraiment ces beat'em all là que j'ai dosé à l'époque. Après, d'accord, il y en a eu beaucoup d'autres, mais les Final Fight et tout, et bien sûr les Final Fight aussi. Très bien. Et bon, on va faire comme un peu BFM, priorité au direct. Nous avons l'invité surprise qui arrive. 3 2 1. Salam alaikum Edge, comment ça va? Alaikum, alaikum. Voilà. Edge, voilà, l'invité surprise. Comment ça va Edge? Ça va, salut. Mais bon, il a fait. Salam. Ça va, il est là. Allez bien. Ça va, là, ça fait plaisir. Hein. Bah, mal, voilà, salut. Je suis désolé. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, alhamdoulilah. Mais tu n'es pas en retard. Il reste encore entre 45 minutes et une heure de live. Alors, le seul problème, c'est que je vais pas pouvoir rester longtemps. C'est pas grave. Un petit coucou, et parce qu'en fait, je sors du taf et j'ai mes obligations familiales juste après. Donc là, sur le chemin du taf, allez, j'ai encore 10 minutes. Donc si je peux faire une petite intervention de 10 minutes, si tu me le permets, Fouad, avec grand plaisir. Très bien, en 10 minutes, très bien. Looping, Cyber et Florian de New Tech City. On va donner comment s'appelle un. Je vais te donner un thème parce qu'en fait, je t'explique. Je vais être bref. Le débat Edge, c'est les jeux de fighting et de beat'em all avant versus aujourd'hui. Ça veut dire est-ce que ça a évolué dans le bon sens, les jeux de fighting, d'accord, de beat'em all d'aujourd'hui, tout ça et tout. Et là, on va parler des jeux. Là, on va être dans le rétro gaming de beat'em all. Allez, Saga Final Fight versus Saga Street of Rage. À toi de résumer, Edge. Place à la polémique, je vous dis. Compliqué. Très compliqué de comparer les deux. Alors, pour moi, il y a dans les 6 jeux. Voilà. Est-ce que dans les Street of Rage, je prends le 4 ou je prends que les anciens? Oui, tu peux prendre le 4. Et d'ailleurs, une question sera posée à tout le monde, et surtout Cyber. Le voici ici. Hein. Voilà, il est là. Et en édition collector. Voilà. Voilà. Vas-y, Edge. Ouais, moi j'entends grave du bruit là. Ça vient de looping, mais c'est pas grave. Ah, ok, pas de soucis. Donc, ouais, désolé, alors... je suis à l'extrait de café. Ouais, y a pas de soucis. Bon. Bah, moi c'est compliqué en fait, parce que. Alors, dedans, y en a un que je déteste. Si jamais je devais prendre un épisode que vraiment je déteste, c'est Final Fight 2. Final Fight 2, pardon, tu as dit quoi? Oh non, mais regarde. Je l'aime pas. En fait, on l'attendait tous un peu comme le Messi parce que Super Nintendo, on a été un peu déçus de la conversion. Parce que tout simplement, on pouvait pas jouer à deux. Hein. Alors après, je sais que il y a plus de. Si on parle de Final Fight 1, alors Final Fight 1 arcade, c'est,
c'est au même titre que Double Dragon Arcade, quoi, tu vois. C'est un pilier du beat'em all. Il est toujours aussi jouissif. Je pense vraiment, alors après, oui, le gameplay n'est pas aussi évolué que Street of Rage 2 ou 3 ou Final Fight 3, bien évidemment. Mais Final Fight 1, il y a un plaisir très urbain, très très urbain, dû à une ambiance, etc. Et que ce soit à l'époque ou même maintenant, hein, Final Fight 1, il a un cachet très spécial que j'ai pas retrouvé du tout dans le 2. Alors après, quand tu parles de juste une chose, quand tu parles de Final Fight 1, c'est la version arcade ou le jeu remasterisé de sur Sega CD? Ah non, la version arcade quand même. Non, la version arcade. Parce que la version Mega CD, on peut dire ce qu'on veut, elle est très bien, elle est meilleure que sur Super NES, évidemment. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en termes de couleurs et tout, je ne veux pas être méchant, quoi. Voilà, en termes de couleurs, c'est assez terne. Et au niveau de la direction artistique, j'ai un peu du mal avec la version Mega CD. Mais elle reste excellente. Hein. Elle reste excellente. La version Super Nintendo, en réalité, si elles n'avaient pas merdé avec le mode de joueur, il y a plein de petits défauts que tout le monde n'y aurait vu que du feu. Vraiment. Parce qu'il manque des choses et tout dans la version Super NES. Mais il suffisait juste de mettre le mode de joueur et tout le monde aurait été content. Il y a les ralentissements aussi. Hein. Pardon ? Les ralentissements aussi. Hein. Ouais, il y a des ralentissements, bien sûr, mais ça c'était propre au beat'em all de la SNES. Mais par rapport au contexte de l'époque, franchement, tu aurais eu deux joueurs. Ben, il y avait beaucoup de gens qui se rabattaient sur Rival Turf, tu vois. Et Rival Turf, ben, moi je kiffais à deux joueurs. Vraiment, je kiffais. À deux joueurs. Non, vas-y, finis. Non, voilà, donc limite, il y a même certains jeux, je trouvais que les ralentissements, ça rajoutait du charme, moi, tu vois. Parfois. Mais enfin, bon, en tout cas, voilà, Final Fight 1, on a tous été déçus. Le 2, moi, il m'a déçu à cause de son ambiance. Moi, je te rejoins là-dessus. Dans Final Fight 2, ce qui est totalement inadmissible, c'est que Cody est écarté de la piste. Alors que pourtant, c'est le héros du premier. Déjà, en plus, on le retrouve dans, comme j'ai dit, Akasus. Sachant que, pour rappel, Final Fight, c'est un spin-off de l'univers de Street Fighter, fait partie de l'univers de Street Fighter. Parce que dans Final Fight 2, les décors ressemblent beaucoup à Street Fighter 2 en version Super NES. Et si on regarde bien, on a un caméo de Guile et une petite apparition de Chun-Li, si tu es d'accord avec moi, Edge. Tout à fait. Et dans Final Fight 2, à part Carlos, mais Maki, Agar, bon, on le maîtrise comme d'habitude, mais par contre, Maki, pas trop terrible. Et moi, je risque. Et moi, je trouve que c'est inadmissible que Cody est écarté. Et on le retrouve dans Street Fighter Zero, comme avait parlé Cassius tout à l'heure. Parce que vu que, comme j'ai dit, les personnages de Final Fight rejoignent les jeux Street Fighter. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, les personnages de Final Fight, que ce soit les gentils et les méchants, même le gang du Mad Gear, sont gentils dans les jeux Street Fighter. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aux côtés de Shadalo. Mais après, sur ça, je te rejoins. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Final Fight 2, Edge? Ah, Edge nous a quitté. En attendant le retour de Edge, Cyber, Florian, Looping, réagissez. Allez, Cyber, Florian et après Looping. Les Final Fight, pour moi, le 1 est un classique indémodable. Honnêtement, je l'ai découvert récemment en arcade. J'y joue un petit peu de temps en temps grâce au poteau Frédial qui m'a un peu expliqué les subtilités du jeu, parce qu'il est horriblement difficile, je trouve, mais il est quand même très jouissif. Et vraiment, c'est un plaisir énorme. Le 1, quand il est sorti sur SNES, effectivement, il manquait le deuxième joueur, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros moins. C'était vraiment un gros moins. Néanmoins, je pense que c'est quand même une très bonne conversion qui est vraiment jouable aujourd'hui pour le 1. Pour le 2, je le connais pas du tout. J'ai jamais joué au Final Fight 2. Et le 3, j'ai essayé suite à des vidéos dithyrambiques à ce sujet-là. Et moi, perso, j'ai vraiment pas aimé, parce que le look des persos, il me déplaît. Et les musiques, je trouve que c'est dommage qu'il y a des musiques qui reviennent dans le jeu. Et je trouve ça vraiment dommage. Dans lequel exactement? Quelle version? Final Fight 3? De toute façon, c'est que des versions, c'est que des jeux SNES, c'est que des exclus SNES. Oui, Final Fight, le 2 et... tout à fait. Comment ça s'appelle, le 2 et le 3. Et d'ailleurs,
HV qui est de retour. Pourquoi Final Fight 1 a été libre de droit sur arcade, sur Super Nintendo et sur Mega CD en version Sega CD? Et pourquoi Final Fight 2 et Final Fight 3 ont été des exclusivités sur SNES? Si tu peux tu pourrais nous répondre. Non, je ne peux pas répondre à ça. Je n'ai absolument aucune idée. Je vais pas faire le mytho. Hein, je n'ai absolument aucune idée. Je ne sais pas, peut-être que Capcom ou Nintendo se sont mis d'accord pour favoriser le marché de la SNES. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je pense que ça me semble logique. Ça me semble logique que c'était des exclusivités SNES et c'est des jeux exclusivement développés pour la SNES. J'ai l'impression que c'est ça. Capcom travaille déjà avec Nintendo sur la NES. Alors, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Alors, vraiment, je suis désolé. Il va falloir que j'y aille. Donc, je vais juste dire ce que je disais sur Final Fight et Street of Rage. Et après, je vous quitte. Je suis vraiment désolé. Hein. Vraiment, je suis vraiment désolé. Non, vas-y, tu peux dire. Aller. Après, de toute façon, ils vont exprimer leur avis. Pas de souci. Je vais juste finir sur mon avis complet sur Final Fight et sur Street of Rage. J'ai du mal à les départager, mais je vous dis. Donc, Final Fight 1, un peu déçu à cause du mode de joueur. Il y a une théorie qui dirait comme quoi Capcom a volontairement fait exprès, parce que je ne vais pas vous mentir. Hein. C'était pas si compliqué que ça de faire l'arcade perfect sur SNES. Je vous le dis. De Final Fight 1, j'entends. C'était pas si compliqué que ça. Quand on voit la conversion de Tortue Ninja 4, etc., je vous jure que avec de la bonne programmation, il y avait moyen de mettre beaucoup plus de sprites à l'écran et il y avait moyen de faire beaucoup moins de ralentissement, de mettre un mode de joueur et de mettre le niveau supplémentaire. C'est des cartouches de 1 MO. Hein. 1 MO, c'est rien. Et quand tu vois que Tortue Ninja 4 sur SNES fait 1 MO et il rajoute des niveaux supplémentaires par rapport à la version arcade, il rajoute des boss en plus et que la conversion, elle est admirable, mais vraiment admirable, avec même plusieurs sprites, parce que la SNES, à cause de ses capacités techniques limitées, ne pouvait pas afficher beaucoup de sprites, ça ralentissait assez vite, etc. Bon courage pour Tortue Ninja 4 de trouver ça. Ils ont programmé admirablement bien le jeu Konami, ça reste presque un mystère de programmation, mais en tout cas, c'était possible. Après, donc mon avis vite fait sur Final Fight, donc le 1, déçu, mais le jeu, si tu y joues tout seul, franchement, moi, je kiffe le Final Fight 1 sur SNES. Final Fight 2, très déçu. L'ambiance, les personnages, je sais pas, c'est plat, c'est redondant, on s'emmerde. Final Fight 3, je l'adore. Pour moi, ce jeu, c'est une tuerie absolue et c'est vraiment pour moi un énorme cadeau que Capcom a fait à la SNES en nous proposant un mode de joueur. Pour la première fois, un mode de joueur automatique. Comme Paprium, en fait, hein, mais sans l'ajout. C'est-à-dire que tu prends ton personnage et tu peux avoir un deuxième player dirigé par l'ordinateur. Je trouve ça ouf. Une barre de power. Un gameplay archi riche, mais vraiment. Des graphismes de ouf. Choqué, t'as Guy, t'as Guy, t'as des bons persos en plus de ça. Lucia avec son jeu de pied, Agar et tout. T'as même des chemins annexes. T'as des petits chemins annexes. Et des musiques. Alors. Les musiques, les deux premières sont incroyables. Mais vraiment, elles sont parfaites. Après, c'est un peu plus redondant. Mais en vérité, Street of Rage 2, c'est pareil. Les deux premiers niveaux, les musiques sont incroyables. Et après, c'est un peu plus redondant. Donc voilà, je suis d'accord. Mais alors, franchement, les deux premières musiques, Metro City et... je ne sais plus comment ça s'appelle la deuxième. C'est des tueries. Franchement, pour moi, Final Fight 3, c'est le haut du panier. Et pour Street of Rage 1, j'avais adoré, mais je trouve qu'il a vieilli quand même. C'est un peu dur de s'y remettre, Street of Rage 1. C'est vrai, tout à fait. Street of Rage 2, pour moi, même topo que Final Fight 3. C'est la quintessence des Street of Rage. Ambiance, gameplay, décor, direction artistique. Vraiment, pour moi, je te dis, il joue avec Street of Rage, avec Final Fight 3. Pour moi, c'est les deux équivalents en termes de kiff, en fait. Et Final Fight 3, les sprites sont énormes. Tu vas voir les sprites à l'écran, ils sont vraiment énormes et tout. Franchement, moi, j'adore ce jeu. Et Street of Rage 3, j'ai été très déçu. Très, très déçu. J'aime pas du tout Zan. Le Dr. Zan. Mais quand tu dis que tu n'as pas été déçu de la version internationale ou tu as été déçu de la version européenne ou japonaise, ou pourquoi c'est du pareil au même? C'est du pareil au même parce que j'avais été déçu à l'époque de la version FR, entre guillemets. Et après, j'ai fait la version Jap parce qu'on m'a dit « Attends, t'inquiète, ça va changer, etc. » Au final, c'est la même. On ne va pas s'inventer des vies. Hein. Pour des quelques trucs près, ça ne va pas changer la donne. Les musiques sont exécrables au possible. Et les musiques dans un beat'em all, c'est très important. Et elles sont... C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste passables, elles sont exécrables pour moi. Tu vois ? Si à la limite, elles étaient passables. Non, elles sont nazes de ouf. Et même si le gameplay est très riche, Street of Rage 3, le gameplay est très riche. Comme quoi, des fois, ça ne fait pas tout.
Parce que limite, je m'amuse mieux dans Street of Rage 2, tu vois. Franchement, il y a un truc qui passe pas. Je trouve ça très, très, très conventionnel, Street of Rage 3. Alors que le 2 te proposait vraiment, il te renouvelait. Alors que c'était très urbain, mais il te renouvelait au niveau des graphismes et tout. Ça s'appelle l'alchimie, tout simplement. Donc le 2, il est absolument incroyable. Mais le 3, j'étais déçu. Et le 4, au début, je n'ai pas du tout aimé. C'est un peu graphisme, un peu flash, tout ce qu'on veut et tout ça, là, que j'aime pas trop. Et avec du recul, c'est marrant, des fois, avec un peu de recul, mais franchement, j'aime beaucoup le 4. J'aime beaucoup le 4, j'aime beaucoup sa proposition. Et voilà, et on retrouve l'ambiance des Streets of Rage, j'aime beaucoup le 4. Voilà. Eh bien, d'accord. D'accord. C'est tout. Tout à fait d'accord. Eh bien, ok, en tout cas, eh bien, merci beaucoup Edge pour ton intervention surprise. Franchement, ça fait plaisir. Désolé les amis de partir plus longtemps. Non, il n'y a pas de souci. Toi de priorité, ça fait plaisir que tu sois venu. Ça fait chaud au cœur. On s'y attendait pas. Et en espérant qu'on te retrouvera pour la prochaine convention. La Edge convention en septembre. Oui. Évidemment. Ouais, fin octobre, Inch'Allah. Fin octobre. Ouais. Dernier en week-end du mois d'octobre. Ah d'accord, je crois que c'était septembre. Non, c'est que c'était septembre. C'est quand la date, c'est quoi la date? C'est 25-26 ou 26-27, je sais plus. C'est le week-end du 26 en tout cas. Week-end du 26 octobre, ok, c'est noté. Faut le noter dans les calepins, les gars, faut le noter. Hein. T'inquiète, c'est noté. je serai pas en France. Non, parce que j'avais vu un truc comme quoi ça tombait en même temps que la Paris Games Week et ça, mais finalement ça tombe pas en même temps, non? Si, en fait, la Paris Games Week aura commencé déjà dans la semaine. Mais, y aura le week-end. C'est-à-dire, les gens vont, pendant la semaine, ils ont qu'à aller à la Paris Games Week, il y aura forcément moins de monde. Et le week-end, ils se terminent à la Edge Convention. Ah, mais après, personnellement, la Paris Games Week, Fred, celui qu'on connaît en commun, et même Retropolo m'ont dit que la Paris Games Week, c'est plus comme avant, c'est infernal, quoi. C'est l'usine. Mais ça a toujours été infernal. Mais après, exactement. Toujours pareil. Ça a toujours été infernal, mais après, les gars, chacun il trouve son compte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour descendre la Paris Games Week. Bien sûr. Chacun il trouve son compte. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais autant faire les deux. Vous avez moyen de faire les deux. Donc, faites la Paris Games Week pour les fans de la Paris Games Week. Et le week-end, tranquillou, à la Edge Convention. Quoi. Bon, on verra. Les gars, bien. Je vous laisse. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Vas-y, Edge. Merci beaucoup, Khouya. Salut. Alors, bon. Il a comparé Final Fight versus Street of Rage. Alors, qui est d'accord avec l'avis de Edge? Cyber, après Looping, et on termine par New Tech City. Okay. Et après, bien sûr, je vais vous donner mon avis en ce qui concerne pour l'évolution des Street of Rage avec Street of Rage 4. Cyber. Ouais, là où je ne le rejoins pas, c'est sur Street of Rage 1, qui pour moi est totalement intemporel. Il parlait d'alchimie sur Street of Rage 2, je trouve que alors encore plus présente sur le 1. Alors oui, aujourd'hui, c'est un vieux jeu, mais je ne sais pas si c'est la nostalgie qui me fait dire ça, mais j'éprouve un plaisir vraiment exceptionnel à chaque fois que j'y joue, puisque les musiques sont tout simplement les meilleures de tous les Street of Rage. Pour moi, les musiques du 1 sont intemporelles au possible. Après, sur le 3, je comprends que les musiques peuvent rebuter, mais pour ceux qui voudraient essayer, à force, on se surprend même de les fredonner, tu vois. Même les musiques cheloues, à force d'y jouer, tu vois, elle rentre, tu te dis, ah, finalement, elle est bizarre, mais ça met une ambiance bizarre. Bon, le 2, on a déjà parlé de ce qu'on a dit. Après, sur Final Fight, moi, les musiques du 1, en tout cas version arcade, je les trouve exceptionnelles au possible. C'est vraiment une ambiance sale. Final Fight 1, c'est vraiment le jeu, un des beat'em all les plus sales qu'on puisse voir en termes d'ambiance street, quoi. À un moment, tu passes même devant des toilettes publiques, quoi. Je veux dire, de la merde au sol et tout. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des punks et tout. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Après, Final Fight 2, je connais pas. Final Fight 3, j'ai déjà essayé. Moi, ça m'a pas accroché. Je le dis après aussi, ça compte, hein. J'en ai aucune avec ce jeu. À voir. Il m'a donné quand même envie de le réessayer. Je leur donnerai sa chance à l'occasion. Et dans Final Fight, le premier, tu préfères la version arcade ou la version CD? Ah, pour moi, c'est la version arcade. Ah oui, là où je leur... Bah, pour moi, c'est arcade. À chaque fois, ça sera arcade, de toute façon. Et là où je ne leur rejoins pas, c'est quand il dit que c'était possible de faire arcade perfect. Franchement, quand tu regardes bien la version arcade de Final Fight 1, c'est impossible de le faire sur n'importe quelle console 16 bits. Ah, peut-être Neo Geo, quand même. Mais à un moment donné, je crois que t'as 9 ou 10 ennemis en même temps, quoi. On rappelle qu'aussi, en ce qui concerne pour Final Fight 1, il y en a...
je sais plus, ça doit être un Brésilien, il me semble. Il avait créé, c'est un fan creator, il avait créé Final Fight 1 sur Mega Drive avec les graphismes de Mega Drive. Qu'est-ce que tu as dit, New Tech City, Florian? Qu'est-ce il y a que pas tu as tous dit les niveaux du Final Fight. Oui, oui, c'est qu'une démo. Et après, jusqu'à présent, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est en cours. Hein. Il y avait la démo qui a été dispo. Les mecs, ils continuent de bosser dessus. Hein. Mais c'est rassurant que tu suis l'actualité. Les mecs sont dessus. Quoi. Et Looping, qu'est-ce que tu en penses de la vie de Edge quand il a comparé Final Fight et Street of Rage et quand il a parlé aussi de Street of Rage 4? Est-ce que pour toi, est-ce que ça se compare Final Fight et Street of Rage? Et est-ce que Street of Rage, ça a bien évolué avec Street of Rage 4 ou pas? Tu peux exprimer ton avis et on va en conclure sur ça avec Florian. Après. Bonne soirée, okay, vous regardez le match. Merci toi aussi, ma gamer. Alors, personnellement, je trouve que ces deux écoles, c'est un peu comme l'école SNK et l'école Capcom, en fait. C'est moi, je l'ai vécu complètement différemment. C'est-à-dire que Street of Rage, je crois que si je me rappelle bien les premiers, parce que là, vous allez chercher des souvenirs qui sont très loin, les gars, là. Donc, Street of Rage, si je me rappelle bien, la première version que j'avais vue, c'était à l'époque sur console, sur Mega Drive, je crois. Donc, j'étais complètement hypé de par les personnages, les graphismes, le fait que tu appuies sur un bouton, tu as la voiture de flic qui arrive et qui balance les missiles et tout. Street of Rage 2, le 2, c'était vraiment le god tier, vraiment, c'était vraiment... l'amélioration, l'aboutissement vraiment final de Street of Rage. Mais je trouve que ces deux écoles sont complètement différentes. Pour moi, on peut pas vraiment comparer les deux jeux. Ils ont pas du tout le même esprit. Je dirais que Street of Rage, c'est un jeu plus orienté dans l'esprit américain. Et Final Fight, il y a un côté plus, je dirais, japonais et très arcade, vraiment arcade. Final Fight, pour moi, ça reste, pour moi, Final Fight, c'est pas un jeu où tu peux vraiment prendre ton pied sur console. Même si les versions console sont pas mal, elles sont quand même, pour moi, très éloignées de ce que proposait l'arcade à l'époque quand tu découvrais le jeu sur arcade. Voilà. Même si j'ai un ami, d'ailleurs, à l'époque, petite anecdote, j'avais découvert, je crois, la première... parce que à l'époque, bien sûr, je vais pas vous l'apprendre, les gars, bien sûr, mais pour les gens qui savent pas et qui sont jeunes, qui vont regarder cette vidéo... Les jeux sortaient un an ou deux ans en avance sur borne d'arcade à l'époque, et après t'avais la version console. Donc à chaque fois, moi j'allais jouer sur arcade à tous ces jeux-là, surtout Final Fight, le 1, le 2 et le 3, enfin surtout le 1 et le 2. Et après, on cherchait à avoir la version console. Et j'ai un ami donc qui s'appelle Olivier, qui était dans ma classe en primaire, et son grand frère avait la Super Nintendo japonaise, et j'ai halluciné de voir la version japonaise. Ouais, la Super Famicom, et donc la version japonaise de quel Final Fight, le 2 ou le 3? C'était je pense le premier. Le premier, et moi j'ai adoré Agar, et d'ailleurs c'est pour ça que je joue Agar sur l'Ultimate Marvel versus Capcom 3 à l'heure actuelle, parce que Agar je l'ai connu par rapport à Spotlight, que son frère avait la console, en combien de Hertz, mais c'était plus speed que les consoles européennes, hein, les consoles japonaises à l'époque. Donc le jeu était plus speed et il se rapprochait. Je trouvais que c'était la version, pour moi, qui se rapprochait beaucoup pour moi de l'arcade. Mais l'arcade, c'est encore autre chose. Donc Final Fight, pour moi, ça reste un jeu vraiment assez arcade, et Street of Rage, ça reste pour moi un jeu vraiment console. Donc c'est pour ça que c'est très dur de les comparer. Ils ont pas du tout le même esprit, en fait. Alors, avant qu'on va passer à Florian, si je peux me permettre, Looping, là, il y a, comment ça s'appelle, MyGamer, il te dit, Looping est super, un jour, je ferai un live avec vous, il est top comme toi. Mais tu vois, il te fait un compliment. Et pour te dire aussi, franchement, ta réponse, Cassius, quand tu parles de Final Fight, quand tu fais la comparaison entre Final Fight et Street of Rage, et quand tu dis que Final Fight, c'est plus de l'arcade, et Street of Rage, c'est de la console, tu réponds avec sagesse. Franchement, c'est une réponse avec sagesse. J'essaie d'être vraiment original. Parce que, en fait, le truc, c'est que, honnêtement, moi, c'est vrai que je suis tellement dans les jeux de combat, et surtout les jeux de combat actuels en ce moment, les Tekken 8, etc., que c'est vrai que là, vous me replongez vraiment dans la petite, entre guillemets, presque la petite enfance. Hein. Donc, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai des bribes de mémoire, j'ai des bribes
concernant, comme je vous ai dit, les Altered Best, tous ces jeux-là. Par exemple, il y avait un jeu d'arcade, petite parenthèse, il y a un jeu d'arcade d'un beat'em all qui est magnifique et que je conseille à tout le monde. C'est parce que si vous aimez, moi j'aime beaucoup les films Predator 1, 2, Predator 1 et 2 pratiquement sur Zoo. Et c'était, je crois que c'était Alien versus Predator sur arcade. Sur arcade. À l'époque, ouais, sur arcade, la version la arcade. Version, avez... La version SNES est éclatée, je ne connais pas. Ouais. En tout cas, ce jeu-là, c'était une salle d'arcade qui était à Châtelet à l'époque. Et nous, en fait, on avait trouvé le moyen de mettre un coup de pied, vous savez, là où vous logez la pièce. Et ça faisait, en fait, on mettait un coup de pied dans ce système de là où vous mettez la pièce. Et ça faisait bugger la machine. Et ça vous donnait 3 crédits automatiquement. Donc, j'ai terminé le jeu, en fait, en mettant des coups de pompe dans la machine. Voilà. C'est la petite anecdote. D'accord. Eh bien, c'est à ton tour. Il était vraiment très dur. D'accord. Et c'est à ton tour, Florian. Mais, comparaison de Final Fight et Street of Rage et de Street of Rage, à ton tour, Florian. Ouais, bah écoute, Final Fight, moi, je l'avais pas à l'époque. Alors, je me suis acheté là, il y a 2 semaines. Je viens juste de me le choper. Donc, c'est le tout premier. Et bien voilà, Cassius, regarde bien. C'est celui-là que tu avais découvert alors. Ouais. Donc, la jaquette est plutôt sympatoche. Après, le jeu, écoute, forcément, par rapport à l'arcade, c'est une version light, quoi. Par contre, ce qui m'a pas plu, moi, c'est ces fameux ralentissements. Edge, il est passé un petit peu au-dessus, à côté, gentiment. Mais c'est, franchement, quand tu as un ralentissement, le jeu s'arrête, c'est-à-dire tu appuies sur le bouton coup de poing, il se passe rien. Tu es en plein saut, tu es en train de faire un coup de poing, le coup de poing part pas. Il y a un gros problème. Il n'y a pas que le nombre de sprites à l'écran et graphique. Non, il y a autre chose. Il y a un gros problème dans ce jeu. Mais après, voilà, il a son ambiance street. Il y a un truc, il y a un grain, le Final Fight 1. Voilà. Quand je mets le Final Fight, je joue pour avoir le bruit du punch, pour voir le fameux, c'est le mec balèze là, le catcher. Agar, oui. Agar. J'ai beau lui mettre des noms dans sa gueule. Oh, j'adore ce jeu, quoi. L'ambiance c'est comme dans c'est endoré. C'est l'ambiance street à fond, quoi. En dédicace à André le Géant, en plus, endoré. C'est un catcher. Ouais. Donc là, j'aime quand après, même. Après, sur les ralentissements, moi quand j'étais petit, je voyais ça un peu comme un bullet time, tu vois. C'était, pour moi, c'était prévu, quoi. Tu sais, que je jouais à Half-Life, j'étais content quand ça ralentissait un peu, tu vois. C'était. Ouais, voilà, on croyait que c'était exprès le ralentissement. Ouais, voilà, je calculais pas trop. La machine qui galérait comme ça. Alors, après, moi, est-ce que je peux juste dire une petite parenthèse? En plus, j'ai l'impression qu'ils se sont. Après, je peux me tromper, hein, c'est juste une impression, parce que c'était big up à Monsieur Karaté, hein, qui va peut-être tomber sur cette vidéo-là, donc qui est commentateur de jeux de combat, et il avait fait la comparaison entre Agar et, vous savez, le chanteur de Queen à l'époque avec la moustache, vous savez, Freddie Mercury. Donc il l'avait appris, et donc j'étais mort de rire parce que je trouvais qu'il y avait une grosse ressemblance entre Agar et Freddie Mercury, et aussi le mélange Agar, et qui ressemble un peu aussi au boss de Spider-Man, vous savez, avec la moustache, la coupe un peu carrée. Ça me faisait penser un peu au mélange de ces deux personnages-là. Le patron du journal, là. Jonah Jameson. Jonah Jameson. Oui. Merci. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là, Fouad. Alors, je vais être bref, moi, pour Final Fight versus Street of Rage. Alors, moi, Classus avait, comment ça s'appelle, dit la bonne phrase. Moi, je vous dire une chose, même si Street of Rage est dans mon top 3 des beats et mol, alors dans le 1, j'ai beaucoup aimé, mais quelque part, Edge, il a raison quand même. On constate que ça a quand même vieilli. Et Street of Rage 3, comme j'ai dit, à Cyber, lors de la Edge Convention, je préfère jouer avec la version japonaise. En ce qui concerne pour Final Fight, ne me parlez pas de la version Super Nintendo. Excuse-moi, Florent, si je te déçois. Alors, Final Fight 2, avec les ressemblances, les petits clins d'œil à Street Fighter 2, j'ai admiré, mais Cody écarté de la scène. Final Fight 3, j'ai bien aimé, ça a bien progressé, mais une fois de plus, Cody écarté de la scène. Et si on regarde bien, c'est que dans Street Fighter 03 Alpha 3
Et comme tu avais parlé de Rolento, Hugo Andor et Poison, qu'on les retrouve aussi dans Street Fighter 4, dans Ultra Street Fighter 4, Classus. Avec Cody, ouais. Et bien en fait, et aussi dans Street Fighter 5, on retrouve aussi Abigail. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment, quelle ironie, parce que même on retrouve aussi Maki, Guy dans Street Fighter Alpha 3 Max, la version sur PSP. On retrouve, exact. On retrouve Guy, Maki, Cody, Rolento et Sodom, le deuxième boss du premier Final Fight. Et ce qui est drôle, c'est que tous les personnages de Final Fight qui apparaissent dans Street Fighter sont les gentils. Que ce soit les gentils et les méchants dans Final Fight, même le gang du Mad Gear, il est rendu gentil dans les jeux Street Fighter. Ça, c'est la parenthèse. Après, Final Fight, je suis mitigé entre le jeu d'arcade et la version CD. Et après, je vous ai dit mon avis. Après, pour les Street of Rage. Après, la comparaison est dure. Et comme il dit... Cassius, c'est qu'on peut pas comparer des jeux qui sont plus orientés vers l'arcade et vers les jeux qui sont plus salon. Parce que certes que Final Fight a été adapté sur console, mais ce n'est pas le cas pour Street of Rage. Il n'a jamais été sur arcade. Et ça a commencé par la Game Gear Master System. Mais ce qui est en commun dans les Street of Rage, c'est uniquement les consoles de salon. Et en ce qui me concerne, pour dire une chose, et j'aimerais que vous interveniez là-dessus, parce que Cyber, je ne t'ai pas posé la question dans la Edge Convention, je vais te la poser ici. Street of Rage 4, moi, je dois vous faire une anecdote. Pour moi, j'en suis mitigé. Et pour moi, ça a mal évolué. Raison pour lesquelles. Pas au niveau graphisme. Niveau musique, il n'y a rien à dire. Mais au niveau des personnages, j'ai trouvé quelque part qu'il y avait une insulte. Parce que on retrouve des personnages emblématiques de Street of Rage, Axel Stone, Blaze Fielding. On retrouve Max, mais en tant que boss, parce qu'il est manipulé par les enfants de Mr. X. Ensuite, le fait qu'on retrouve... le fait qu'on retrouve Max. Après, on peut y jouer dans l'édition DLC. On retrouve aussi Shiva, qu'on croit soupçonner qu'en fait qu'il est un méchant, qu'il est aux côtés des enfants de Mr. X, mais finalement, on retrouve dans une scène cinématique qui s'est repenti. Et que Shiva, qu'on peut l'incarner dans Street of Rage 3 en faisant une manip, quand on le bat, on laisse appuyer sur B. Et après, ensuite, quand on perd, on peut l'incarner. Et revenant à ce qui concerne sur Street of Rage 4, déjà, il y a eu un manque d'originalité. Déjà, il y a l'élève de Dr. Zan. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a les bras métal. Il est trop lent. Et on n'arrive pas à bien le sentir. Ensuite, en ce qui concerne pour... Adam, quand même. Hein. Tu peux débloquer Adam. Pardon ? Dans Street Fighter 4, tu peux débloquer... Oui, Adam Hunter. Il est présent, j'allais venir. Mais il n'y est pas au début. Et moi, oui. Ce que j'ai pas trop aimé dans Street of Rage 3, Adam Hunter, dans Street of Rage 2, on le libère, mais dans le 3, il est présent que dans une scène cinématique avec les hélicoptères pour abattre les personnes en roquette, et il te dit « Ok, très bien, bon boulot », il se casse. Et dans le 4, pour calmer les choses, ils l'ont remis, mais dans le cours du jeu. Et moi, ce que j'ai trouvé inadmissible, il n'y a plus la présence de Skate. On sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il parle même pas de lui une seule fois. Et ça, je trouve c'est scandaleux parce que Skate fait partie des personnages emblématiques de Street of Rage 2 qui a révolutionné le jeu. Et moi, personnellement, Street of Rage 4, j'en suis mitigé parce que Maître, tu peux y jouer avec lui quand tu joues en version Street of Rage 3, mais il n'est pas un personnage officiel du jeu. Et moi, je trouvais ça inadmissible. Pardon ? Ils ont pas tout mis, c'est normal. Ils n'ont pas tout mis, mais c'est une insulte. C'est une insulte. Et moi, pour répondre à cette question, la saga Street of Rage, la Bourse de Paris, je trouve ça un peu mal évolué. Street of Rage 4 ne peut pas s'asseoir dans la même table de Street of Rage 1, 2, 3 dans la trilogie. Je suis un peu peut-être méchant, je suis un petit peu sévère. Mais je trouve aussi qu'on met la fille de Adam Hunter, qui s'appelle Shiri Hunter. Elle est vraiment éclatée. Et personnellement, et ne pas mettre Skate, moi j'ai trouvé ça comme une insulte. Et bien, Cyber à toi, après ensuite Looping et New Tech City, tu finis par donner ton avis. Et après, dans les deux derniers sujets de la vidéo, on va parler de la saga Tekken de façon bref et des meilleurs crossovers des jeux de fighting pour terminer le live. Okay. Bien sûr, voilà. Alors Cyber, tu donnes ton avis sur Street of Rage 4. Oui. Après, c'est Looping. Et après, c'est à toi, New Tech City, Florian.
Ok. Moi, je te rejoins effectivement sur le manque de respect, on va dire, du lore Street of Rage, mais ça, c'est propre à Sega. Sega ne sait pas entretenir ses licences. Et au contraire de Capcom, là, tout à l'heure, on a sorti Capcom, ils te ressortent des persos sortis en 90, Abigail, dans Street Fighter V, je trouve ça génial, tu vois. Ils respectent leur lore, ils respectent les créations d'époque. Ce que ne sait pas faire Sega, il suffit de voir un Virtua Fighter, il n'y a aucun personnage de Street of Rage. Je trouve ça lamentable. Enfin, tu vois, Capcom, ils auraient pensé. Sega n'y a pas pensé. Après, j'étais très mitigé la première fois que j'ai joué à Street Fighter 4, et pour moi, le jeu a changé. Street of Rage 4 ou Street Fighter 4 Excuse-moi, Street of Rage 4, autant pour moi. Et le jeu a complètement changé. Mon avis a complètement changé à partir du moment où j'ai pu débloquer Adam Hunter. Pour moi, j'adore son gameplay dans le jeu, j'adore son look, j'adore son style. C'est un autre jeu pour moi. Et l'autre défaut que je mettrais à Street of Rage 4, c'est le faible charisme des boss, et notamment des deux enfants de Mr. X. On dirait deux gamins sortis d'un animé moderne, là, ça n'a rien à foutre dans Street of Rage. Dans Street of Rage, tu battais un mec avec une mitraillette, badass, boss de la mafia. Là, tu te retrouves avec deux gamins qui sortent, on dirait que ça sort d'un manga d'amour ou de je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est du n'importe quoi. Alors, bon, et sinon, le jeu, moi, je le trouve très beau et mention spéciale pour les décors que je trouve certains sont magnifiques, quoi. Oui, sur ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur non, ça, la galerie large, tu vois. Il y a aussi des ennemis que j'aime beaucoup, ceux qui font de la boxe taille, ils sont bien designés. Honnêtement, ça va. Et puis, il y a des juggles, il y a aussi mention spéciale aussi pour le niveau de l'ascenseur, que je trouve exceptionnel. Et la musique, elle est exceptionnelle. L'ambiance avec les karatékas qui ne vont pas frapper, sinon ils te font des contres et tout. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais dans l'ensemble, ça reste un bon jeu quand même, globalement, même si c'est vrai qu'ils auraient pu un peu plus respecter la licence. D'accord, très bien. Bon, ben ouais. Et ben à toi, Looping, donne ton avis. Si tu as testé Street of Rage 4, est-ce que pour toi, ça a progressé, ça a été une insulte? Tu peux dire ton avis? Franchement, pour être tout à fait honnête, Street of Rage, j'allais faire le même lapsus, Street of Rage 4, c'est une bonne idée d'avoir voulu remettre au goût du jour une licence qui est pour moi une des plus emblématiques à laquelle j'ai dosé via Street of Rage 2. Mais étant, je pense que on est tous un peu maintenant, on va dire entre guillemets old school. Bah moi je reste attaché au côté old school. Donc même si le jeu est joli, j'ai testé, je crois il y avait une version bêta je crois du jeu que j'avais testé. J'ai pas testé énormément le jeu plus que ça parce que je suis vraiment moi je suis vraiment dans mon délire accès vraiment combat à combat, voilà. Donc tout ce qui est beat'em all, je suis vraiment je suis vraiment on va dire un gars à l'ancienne là-dessus. Donc pour moi Street of Rage c'est le 2 qui reste pour moi le meilleur. Même si le 4 est très 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 beau et qu'ils ont fait un super taf là-dessus, je me suis pas plus attardé, je me suis pas honnêtement plus attardé que ça sur le jeu, donc je peux pas donner un réel avis là-dessus parce que j'ai pas assez tryhard le 4 pour vous dire, mais j'ai aimé la petite bêta qu'ils avaient fait, je crois dessus, j'ai aimé, mais c'est loin d'être un jeu du cœur comme le 2 a pu l'être à l'époque. Eh bien, moi, le 2 pour moi reste le meilleur. Eh bien, je partage totalement ton avis. Franchement, ça reflète à ce que je pense. Parce que quand tu dis que c'est mieux old school, tout ça et tout, moi je ne vais pas être trop radical en disant qu'ils ont tué l'œuvre parce que j'ai donné une bonne note. Mais après, je peux comprendre que certains se sont permis de dire qu'ils ont tué l'œuvre. Parce que moi, j'ai les points négatifs là que je viens d'évoquer, et j'en ai fait même une critique sur ma chaîne YouTube. Ça ne peut pas malheureusement passer inaperçu. Alors, New Tech City Florent, tu peux donner ton avis, s'il te plaît, pour ouais, Street of Rage 4. Déjà, dès l'intro, tu vois qu'au niveau de l'intro, le dessin animé, tu vois qu'ils ont compris l'ambiance quand même. Quand tu vois le Axel qui frotte son poing sur le sol et qu'il sort une flamme, gros dessin animé de malade, mais bien dans l'ambiance. J'ai vraiment kiffé. J'ai fait le mode story, j'ai joué mode arcade en mode easy, normal, facile. Je l'ai exploité dans tous les sens. J'ai joué en réseau. Et c'est en réseau que tu vois vraiment le potentiel du jeu, quoi.
C'est là où tu vois les vrais hardcore gamers du jeu. Et dis-toi que les gars, en fait, au niveau des boss, les boss touchent pas le sol, en fait, c'est que des jungles. Ils enchaînent les Fury avec les combos, avec les mid Fury. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans ce jeu. Graphiquement, il est superbe. Voilà, après, tu as les gens qui restent bloqués dans le rétro. Tu as les gens après qui ont toujours l'esprit rétro, mais qui ont envie d'avoir de la 2D, mais sur leur machine du futur, là, dans le futur où nous sommes, comme dirait DGGX. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Il n'y a pas de 3D, ça arrête de la 2D. Comme ceux qui disent voilà, ça fait un peu flash, franchement moi je vois pas la différence, j'ai rien à foutre, du moins que j'ai le gameplay il me plaît. Il y a plein de choses à débloquer. Putain, il y a un porte-clés dans le jeu. T'as ton petit porte-clés Street of Rage, c'est un délire. Non, tout est délire. Ils ont poussé le truc au maximum. T'as même une figurine. Tu peux pas dire qu'ils s'en foutent de leur licence, ces gars. Enfin, après, déjà, ils l'ont fait sous-traiter par Dotemu, donc. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quand même ces gars sur le coup quelque part, quoi. Mais non, personnellement. Combien de temps entre Street of Rage 3 et Street of Rage 4, franchement. Il y a plus de 15 ans. Après, ils ont connu une période creuse. Hein, après, pour le laisser traiter par des Européens, après, pour moi, c'est. Ils bichonnent pas leur distance comme. Nintendo F-Zero, il est où? Je sais pas moi, c'était française de développer un F-Zero 15 ans après, tu vois. Ok, ils le font pas. Tous leur licence, ils n'ont un peu rien à foutre. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est des trucs nouveaux, c'est ce qui cartonne. Ils n'ont rien à foutre de leur vieille licence plus poussière. Non, mais en plus, qui cartonne actuellement. Yamoto, il a été précis sur F-Zero. Il a dit quand on sort un nouveau jeu, il faut qu'il y ait des nouveaux concepts. Sur F-Zero, on est incapable de sortir de nouveaux concepts. Donc pour lui, il n'y a pas de nouveauté qui permettrait de sortir un F-Zero. Il ne veut pas en faire un pour en faire. Alors ça se discute, d'accord. Pas d'accord avec tous les remakes qu'ils font. Ça n'aurait aucun sens. On pourrait faire un remake du GX. Hein. Parce que si avec F-Zero, on ne peut pas faire un nouveau concept. Parce ils vont faire un F-Zero 99. C'est le même jeu. C'est le même jeu de Super Nintendo, mais ça reste toujours en ligne. Mais comme tu dis, parce que Cyber, quand tu dis que Miyamoto dit, on peut pas par exemple sortir un nouveau F-Zero parce qu'il n'y a pas de nouveau concept. Mais dans ce cas-là, faut pas sortir Mario Kart. Parce que Mario Kart, dans le fond, même si peut-être il y a des trucs en plus, il y a des cars en passe en plus, il y a des gadgets en plus et tout, mais c'est du pareil au même, c'est de la course. Je pense qu'il y a quand même plus de nouveautés à proposer dans un Mario Kart, ne serait-ce que par les items, par. Et puis Mario Kart, je regarde bien, ça fait un bail là qu'on est, c'est le 8 je crois. Ils ont juste fait un DLC, ils ont fait des nouvelles Wii U. Tout à fait, parce que oui, c'est une version améliorée de la Wii U, tout à fait. Exactement. Ils ont fait le double dash, tu vois, ils essayaient de faire un truc nouveau, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur. Moi, je vous répète juste qu'a dit Miyamoto, je suis pas son avocat non plus, moi, je comprends un peu. mais c'est vraiment ses propos, quoi. Il a dit qu'il n'y avait pas assez de nouveautés à proposer, c'est pour ça qu'il n'en faisait pas. Je pense qu'aussi le marché des jeux de voitures comme ça. Voilà, le Mario Kart, il trust tout. Est-ce que s'il sortirait un F-Zero, ça ferait pas un peu un flop, quoi. Je sais pas. Par contre, après, peut-être pourquoi pas. Faut laisser faire, moi, je dirais. Après, en revenant au sujet sur Beat Them All, juste on va terminer le chapitre Beat Them All avant de retourner les trucs fighting. J'aurais une question. Parce que le fait que ce qu'a dit Looping et ce qu'a dit New Tech City, la réponse en commun, disant que Street of Rage 4. C'est rester quand même du 2D et du vrai beat'em all. Qu'est-ce que vous en pensez des beat'em all en 3D, comme par exemple Batman, la série des Batman Arkham, X-Men Origins Wolverine, les Marvel Spider-Man 1, Marvel Spider-Man 2, Marvel Spider-Man Miles Morales. Ils se prêtent parce qu'ils disent que ce sont des jeux de type beat'em all. Est-ce que pour vous, c'est du beat'em all Cyber, après Looping et New Tech City. Et après, on va terminer la partie de Zemo avant de terminer la dernière partie du fighting. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme Beat Zemo parce que c'est des jeux d'action avec beaucoup de cinématiques. Avec Batman, moi, on m'en a dit que du bien. Je sais que mon frère a beaucoup joué, mais j'y ai pas joué malheureusement. J'ai joué, moi, j'ai bien aimé, mais est-ce que toi, le tu dernier Spider-Man sur Play 5, j'ai fait une partie chez mon frère. Il m'a impressionné visuellement. Moi, j'avais quand même joué quand même Spider-Man sur Play 4. J'avais trouvé sympa, vraiment sympa. Mais c'est vrai que comme tu peux te déplacer un peu partout, t'es un super héros,
C'est vrai que la mention Beat'em All, quoi qu'il y a du combat, hein, donc finalement, oui, la question est très pertinente. Est-ce que c'est ça le renouveau du Beat'em All? Peut-être, hein, certainement. C'est bien vu. Hein. Après, on sort quand même des codes connus de l'époque, hein, sur le Beat'em All d'époque. Ouais. C'est différent. Pour moi, le Beat'em All à proprement parler, c'est vrai que ça me parle plus qu'en 102D, personnellement. Très bien. Looping. C'est vraiment... je m'attendais pas. C'est un peu une question piège. C'est un peu une question piège. Et je dirais que c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au jeu de combat et ça, quand on parlait des différentes allitérations par rapport aux générations. Je vais reprendre ce que vient de dire le collègue quand il dit que Beat'em All, pour lui, forcément Beat'em All. En fait, nous, quand on entend Beat'em All, comme j'ai dit, moi, j'ai 45 balais. Donc, quand j'entends Beat'em All, j'entends forcément, je vois Final Fight, je vois Street of Rage, je vois E-Swat, je vois des jeux de l'époque. Maintenant, c'est clair que si on parle en 2024 de Beat'em All, un jeune, tu lui dis, ouais, si tu demandes à un jeune que c'est qu'un Beat'em All, il va te parler de Miles Morales, il va te parler des jeux actuels, en fait. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a une espèce de transition. Il y a une transition des jeux d'arcade, dit Beat'em All arcade comme Final Fight, à un Beat'em All en 3D. Parce que oui, que ce soit du arcane, de Batman Arcane, ou que ce soit tous ces types de jeux, il y a cette partie où t'as plusieurs des cinématiques où t'as plusieurs petits ennemis entre guillemets qui viennent t'embêter comme Final Fight et que tu dois puncher pour avancer, sauf que tu n'avances pas de la même manière parce que c'est de la 3D forcément. Donc je dirais que c'est une nouvelle entre guillemets génération de Beat'em All, mais c'est pas l'essence même du Beat'em All. L'essence même du Beat'em All, c'est clair que c'est plus du Final Fight, voilà. Mais on est ou pour Street moi of Rage. Ou du Street of Rage. Mais là on est vraiment pour moi rentré dans quelque chose qui s'est métamorphosé et qui s'est adapté à l'époque, voilà. Très bien. Et bien Florian. Ok. Bah ouais, je vais faire un bref. Si je peux terminer, je voulais juste dire un truc. Oui. Les gars, si vous jouez à God of War 3, si vous aimez entre guillemets les nouveaux Beat'em All et que vous n'avez pas fait God of War 3, c'est vraiment le jeu du cœur, personnellement. Même si les tout derniers God of War, je trouve naze, mais le 3, c'était un truc de fou, les cinématiques. Ça, c'est ce qu'on peut appeler du nouveau Beat'em All. Le 3, en tout cas, pour ma part. Même le L2 aussi. God of War. J'adore. Et le 4, pareil, j'ai pas du tout aimé, donc. C'est pour ça que je m'arrête qu'au 3, c'est pour ça que je parle que du 3, parce qu'après j'ai pas suivi les autres. Honnêtement, les versions Play 5, etc., j'ai pas suivi, mais le God of War 1, 2, 3, magnifique. Et on peut dire que c'est du Beat'em All. T'as un boss, tu tapes contre plein de petits ennemis, on peut appeler ça du Beat'em All, mais nouvelle génération, quoi. J'adore moi le côté, excuse-moi Florent, mais j'adore le côté mythologie grecque, et c'est vrai que le côté mythologie nordique, ça me plaît un peu moins, quoi, donc... Exactement, grec c'était puissant. Contre Poséidon et tout, c'est incroyable. Vas-y, je t'en donne un peu. Très bien, ouais, mais... Florian, pour terminer le chapitre Beat'em All. Alors pour moi c'est simple, si... Pour les gens de maintenant, Beat'em All, ça veut dire appuyer sur un bouton au bon moment pour contrer les coups. C'est pas, pour moi, c'est Beat'em All. Un Beat'em All, c'est voilà, tu cherches les combos toi-même, tu t'inventes des combos, il faut que tu te places différemment au niveau du scrolling pour attraper des mecs au corps à corps. Maintenant, c'est depuis les Batman Arkham. Il faut que tu attendes pour te mettre un coup, tu appuies sur triangle, là, ton perso, il va contrer le coup et faire un enchaînement derrière. C'est pas un Beat'em All pour moi. Pour moi, le dernier Beat'em All, c'est simple. Le dernier Beat'em All, c'était God Hand, c'était sur PS2. Je sais pas si vous l'avez essayé. Mais ça, c'est le dernier Beat'em All. C'est Capcom qui avait sorti ça. C'est un jeu assez hardcore. Mais si tu veux des bonnes sensations de Beat'em All, bon, ça reste en 3D quand même. Mais tu composes toi-même tes combos. Ouais, c'est assez lourd comme jeu. C'est assez marrant. C'est Platinum Games, je crois, qui l'avait sorti. C'est une boucherie. Mais en gros, moi, pour moi, c'est pas des Beat'em All, les jeux actuels façon Batman et Spider-Man. C'est des jeux d'action aventure, mais ça n'a rien à voir avec des Beat'em All. Si le fait de taper quelqu'un dans la rue, c'est un Beat'em All, bah alors là. Moi, je dirais plutôt, c'est de l'action fighting. Et en parlant de génération PS2, PS2, PS3, est-ce que pour toi, les Yakuza, Florian, c'est des jeux de Beat'em All ou non, c'est de l'action fighting, les jeux Yakuza? Bah, pareil, action fighting.
Mais alors, si Shenmue, c'est un beat'em all, non, non, non. Il y a des phases de combat, okay, oui. qui à la base faisait penser à Virtua Fighter, et tu as beaucoup de phases de recherche, tu as beaucoup de cinématiques. C'est ça. Non, là, on est plus du tout dans le beat'em all. Pour moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec un beat'em all. S'il y a de la recherche, un beat'em all, tu avances, tu cognes, hein, c'est ça. Et après, tu as un boss. T'es pas là pour parler, t'es là pour casser des antichambres. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il n'y a plus de beat'em all, à part les jeux néo-rétro comme Street of Rage 3, le nouveau Vendetta et Kirito. On l'attend d'ailleurs, hein, Cyber. Paprium. Ça veut dire que, pour en conclure, par exemple, le frérot Cyber qui a créé le jeu Kirito The Game et ceux qui ont créé le jeu Paprium, moi je trouve, je vais en dire mon avis, c'est que ça prouve que, morale d'histoire, ceux qui ont Cyber qui a créé Kirito et l'équipe ont créé Paprium, ça prouve que oui, pour moi, le vrai sens de la signification des jeux beats et molles, c'est du 2D, ça part dans un sens et taper. Voilà. Ouais. Voilà, ben, on partage tous le même avis. Et pour terminer la conclusion de Beats et Moles, top 3, parce que si je vais en dire un top 15, on n'aurait pas fini. Je viens top 3. Premier Beats et Moles, number 3, numéro 3, Street of Rage 2. Numéro 2, Capcom The Punisher. Et mon premier, Cadillac. Et le premier, non, version arcade, perdu, bah, version oui. arcade. Et mon premier beat'em all préféré, et moi, vu que je suis d'origine algérienne et je l'ai connu en Algérie via mon meilleur ami, Momo Halassad Larkad, c'est Cadillac and Dinosaur. Avec Mustapha, mais oui. Le jeu de Mustapha, voilà. En Algérie, on ne disait pas Cadillac and Dinosaur, on disait en arabe, on disait entre cousins, tout ça et tout. À mes cousins, je disais, venez, on va au baby de Momo, on va jouer au jeu de Mustapha. Ouais, c'est le jeu de Mustapha, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est énorme. Alors, avant de terminer le live, et on va être bref pour les jeux de fighting, parce que vu que je ne vais pas quand même vous retenir très longtemps. Pour les jeux de fighting, pour la saga Tekken. Alors, pour moi, Tekken, ça s'arrête jusqu'au 3. Je risque d'en étonner plus d'un, même Classus, excuse-moi si tu ne partages pas mon avis. Parce que moi, je trouve que ça a évolué dans le mauvais sens, parce que Tekken 4, c'était un petit peu éclaté sur PS2. Tekken 5, on ne comprend pas. Jin Kazama devient le méchant. C'était bien parti dans le méchant original, c'est Jin Pachi. Tekken 6, Jin Kazama devient méchant. Après Kazuya, on le rend gentil. Ça alterne. Et dans Tekken 7, manque d'originalité. Qu'est-ce qu'on a mis ? Gouki Akuma, qui n'est pas un personnage de Napco et de Tekken, c'est un personnage de Capcom, Street Fighter, et il a le droit à un rôle dans l'histoire de Tekken. Et ça, c'est n'importe quoi. Ça tue l'identité du jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Looping ? Et après, on... NewTek et Cyber 808, vous intervenez. Waouh, c'est ouais, c'est désolé, je disais au revoir à quelqu'un. Bah écoute, donc toi tu penses que Akuma n'avait rien à faire dans le caractère liste de Tekken 7. Ben oui, parce que c'est comme par exemple dans Mortal Kombat 11, quel est le projet de mettre Robocop, Terminator et Rambo, s'il te plaît. Ça tue l'identité du jeu. C'est un multivers. Ouais, mais bon, le multivers, c'est que dans DC Comics ou dans Marvel, dans les comics. C'était mon non. Toi, après, excuse-moi si je suis un petit peu méchant. Non, tu donnes ton avis et tu donnes ton avis, y a pas de problème. En fait, moi je vois les choses à travers les yeux. Enfin, là il y a un collègue qui est juste à côté, vous le voyez pas, mais nous on voit les choses à travers les yeux de gens qui regardent la FGC, donc qui regardent le côté compétitif. Donc au niveau compétitif, en fait nous on s'en fout en fait de l'histoire, dans le sens où nous on regarde la scène compétitive, et dans la scène compétitive Akuma, ça a donné un joueur français qui est un des meilleurs joueurs au monde, qui joue Akuma, qui s'appelle Super Akuma, qui est originaire de Marseille. Donc si tu veux, je peux comprendre le sentiment que tu as par rapport à ce côté. Tu penses que c'est comme une espèce de trahison. Bah je pense que les joueurs de Street Fighter 6 ne peuvent aussi détester l'arrivée de Terry Bogard et de Mile dans Street Fighter 6, et peuvent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Comme dans Fighting X Layer, on a eu des DLC avec Terry Bogard, mais il faut pas oublier que tout ça c'est des comment dire
c'est des, ouais, c'est des partenariats et il faut voir aussi le chose, faut voir vraiment le côté compétitif et pas le côté historique du jeu. Parce que le jeu, il faut pas oublier que le jeu, il est là pour se vendre et pour que le jeu puisse marcher et puisse perdurer. C'est les joueurs professionnels qui font en sorte qu'il y ait justement de plus en plus de joueurs qui viennent jouer au jeu. Et donc, quand on a un joueur français aussi fort que Super Akuma qui joue à Akuma, ben, excuse-moi, mais moi, personnellement, ça m'a donné grave envie de le jouer. Et d'ailleurs, je jouais Gookie dans le set. Et il y a eu, après, on a eu Guizoward, qui vient pas du tout non plus de Tekken, mais qui a été très bien intégré. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, ça devient un peu du n'importe quoi. Mais si tu regardes l'histoire du 8, il y en a un qui parle anglais, l'autre qui parle japonais. Je veux dire, ça devient un micmac, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, faut vraiment voir le. Sur les jeux de combat, il faut vraiment voir le côté accès saine, compétitif, pour ramener plus de monde. Donc l'histoire c'est vraiment, je pense que ça s'est arrêté pour Tekken, pour moi l'histoire elle s'arrête vers le 5, je pense, où ça reste encore crédible, on va dire. Oui, mais après je suis d'accord, inviter des personnages sympas, moi je suis pas contre, mais c'est les incrustés dans l'histoire qui cassent le délire. C'est ça ce que je voulais dire. Ah d'accord, OK. Voilà, OK. C'est ça en fait. Ouais. Après forcément quand tu as un DLC, le DLC, t'es obligé de lui inventer une histoire. C'est comme dans Street Fighter V, il y a des personnages qui sont arrivés un peu comme, je crois, c'était Kyo ou des choses comme ça, des personnages comme ça. On est obligé de un peu de le, même les personnages de base. Si tu regardes Street Fighter V, par exemple, même les personnages de base, même dans les autres Street Fighter, on leur a souvent réinventé une histoire en fait. Donc qui fait que ça détourne complètement. Là, par exemple, le retour de Bison dans Street Fighter VI. Il arrive comme Rao, tout le monde l'a comparé, tout le monde a vu le clin d'œil à Okutonoken. Je veux dire, Okutonoken, c'est complètement une licence complètement différente de Street Fighter, oui, et pourtant, tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est vrai que je suis désolé, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça gâche un peu l'originalité de l'histoire, mais moi, je pense qu'il faut vraiment voir le côté vraiment compétitif du truc. Voilà, mais c'est vrai que ça gâche l'histoire d'une certaine manière, ouais. Très bien. Et à toi, Cyber? Et après on va parler des jeux de combat crossover juste après. L'histoire, c'est pas ce que je regarde en premier dans les jeux. En plus, c'était du n'importe quoi. Le fils qui tue le père dans un volcan, le père qui revient, le petit-fils qui tue le père, le grand-père qui aide le petit-fils. Enfin, ça a toujours été un peu. Dès le début, pour moi, c'était un peu bizarre. Après. Ouais, moi ça me dérange pas trop, moi les crossovers j'adore ça, au contraire je trouve que ça apporte vraiment du plus. C'est vrai que Tekken ils sont partis loin avec des Terminator, Robocop et compagnie, mais c'est rigolo, et puis tant que c'est compétitif, là je rejoins Looping, hein. C'est la base déjà un jeu de combat, c'est d'abord compétition et après l'histoire. Mais c'est là encore une fois que Capcom se démarque, où ils arrivent à faire un mode story dans Street Fighter 6, justement parce que ça manquait apparemment dans Street Fighter 5, pour combler les personnes comme toi, Fouad, qui aiment bien le lore, qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien suivre et tout. C'est là que Capcom a su faire la différence avec Namco. Ouais. Ben, Florian Moi, Tekken, depuis le tout premier épisode, j'achète tous les Tekken. C'est simple, je suis un gros fan de Tekken. Le 3, c'était un des meilleurs pour moi. Après, ceux de la PS2, ils étaient un peu anecdotiques. Et sur PS4 et sur PS3, il y a eu le Tag Battle, les deux Tag Battle. Qui était sur PlayStation 2, le premier, et le deuxième sur PS3, tout à fait. Ah, ceux-là, c'était des dingueries. C'était un maxi best-of. Et là, je suis sur le dernier. Bah, écoute, il est plutôt sympa. Ils ont rajouté des trucs... ils ont simplifié comme le nouveau Street Fighter, hein. Tu appuies sur un bouton, ça te met une nouvelle move list, c'est-à-dire qu'en appuyant sur deux boutons, ça te fait des combos automatiques, tout ça. Mais voilà, il y a des gens, ils jouent, c'est des casus. Hein. Il n'y a pas que des experts en jeu de baston, hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. S'il faut être un expert pour jouer à un jeu, bah, il n'y aura plus personne qui jouera à jeux vidéo. C'est pour dire que voilà, Tekken, j'adore. Salut, Carreju. C'est une licence de cœur. Moi, tant mieux qu'ils en ressortent encore. Ce qui est bien avec Tekken, un autre truc, c'est que voilà, si depuis Tekken 3, tu joues avec l'eau et tu fais le arrière, carré, triangle, carré, là, et ben jusqu'au nouveau Tekken, là, le combo, il sort encore. Ah, donc, au moins, l'avantage, au moins, il n'y a pas de facilité comme Street Fighter 6.
t'es pas perdu en fait. T'as tes combos de Tekken 3. Même, je crois que dans Tekken 2 déjà, il était même de Tekken 1, il y a des combos qui sont encore dans le tout dernier Tekken. Et c'est un truc de fou. Les mecs, ils sont éclatés à garder des anciens combos et en rajouter. Moi, je trouve ce qui est dommage, même en ce qui concerne, dans Tekken 3, ce qui est très bien, ça, Forest Law, ça rend hommage à Bruce Lee, parce qu'il y a les trois tenues. Il y a la tenue, comme par exemple, qu'on voit dans La Fureur du Dragon, la tenue dans Le Jeu de la Mort, la tenue jaune, et la troisième tenue dans Enter the Dragon, Opération Dragon de Forest Law. Les trois tenues. Dis-toi, dans le dernier, là, dans le tout dernier, quand c'est du clin d'œil à Bruce Lee. Mais Marshall Law. Si tu fais bas, carré et triangle avec l'eau, il va se relever comme dans La Fureur du Dragon, je crois. Il met un coup de patate au sol et il se relève énervé. Quoi. D'ailleurs, j'ai une question vous avez la réponse par rapport à ça, mais je crois savoir que Capcom n'utilise plus le personnage Fei Long à cause justement de l'image de Bruce Lee, parce que je crois qu'il avait eu des soucis avec Capcom. Et Tekken, eux, ils se permettent de faire la même chose. Donc c'est bizarre qu'il n'y a plus Fei Long dans Street, quoi. On verra bien, pourquoi pas. Après Fei Long, c'est un très bon personnage. Je crois qu'ils ont arrêté parce que c'était trop similaire à Bruce Lee. En fait, c'est la famille qui a causé des problèmes. Je tiens à rappeler. Salut Baikil, comment tu vas, mon ami? Faut pas oublier que aussi dans Mortal Kombat, Liu Kang a été inspiré aussi de Bruce Lee. Que ce soit Tekken, Mortal Kombat ou Street Fighter, ils ont trois personnages qui se sont inspirés de Bruce Lee. Le pire, c'est War des Roses. Et War des Roses aussi, oui, exact. Ouais. C'est qui ça, pardon? J'ai pas entendu. War des Roses. En fait, c'est un jeu géo. Il y a un chaque combattant, c'est le meilleur de son pays, en fait. Et de différentes époques, comme tu veux, full style. D'accord. Et même avoir un Kogan aux États-Unis. Et pour terminer le débat, alors vos crossovers préférés. Alors, déjà tout à l'heure, Looping a parlé de X-Men versus Street Fighter dans le début du débat. Ouais, c'est clair. Alors, ton crossover préféré et anecdote. Oh là là, c'est des... En fait, il y a le crossover au niveau des jeux de combat. Oui, tout à fait. Par exemple, SNK versus Capcom, Marvel versus Capcom. C'est dur de répondre à cette question. En choisis juste un, t'es pas obligé de dire ton préféré, en choisis juste un et raconte une petite anecdote et c'est bon. Bah, je peux en dire deux ou pas, vite fait. Allez, deux, ouais. Si je dois à deux, quand j'ai découvert CVS2, pour moi, CVS2, c'est l'un des meilleurs. Crossover tout confondu, parce que j'ai eu la chance de rencontrer le joueur le plus fort au monde qui Capcom s'appelle Bass. SNK. Ouais, le Capcom versus SNK, le CVS2, et personnellement, c'est un jeu du cœur, parce que j'ai rencontré je suis pote avec Yamazaki93, qui Yamazaki93, vous pouvez taper sur YouTube, les gars. Il a une chaîne YouTube, il a mis pas mal de matchs de CVS2. Il a gagné la World Game Cup, il a gagné beaucoup, beaucoup. C'est le joueur le plus d'Europe, déjà, je pense que c'est lui de loin le meilleur. Après, il n'y avait pas que lui à l'époque, hein, mais il est de loin le meilleur. Et du monde entier, il fait partie, je pense, dans les 10 meilleurs joueurs, peut-être dans les peut-être 10 ou 5 meilleurs joueurs au monde à CVS2. Donc, il est extrêmement fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi très fort à Street Fighter 4. Il a affronté Daigo, d'ailleurs. À l'époque, il a failli le battre sur Street Fighter 4. Donc, tapez Yamazaki 93, vous allez voir. J'ai fait une interview d'ailleurs avec lui. Et donc, sur CVS2, moi, j'avais découvert le jeu en arcade. Je trouvais que c'était un jeu magnifique. C'était la première fois que je voyais justement ce crossover avec des personnages, avec Kyo, parce que moi, je suis fan de Kyo, je suis fan de Iori, donc je suis fan de la licence King of Fighters. Donc, forcément, de voir que Kyo peut affronter... que Kyo peut affronter Ryu ou Ken, etc. C'est dingue. Et deuxième, jusqu'à présent, d'ailleurs, j'y ai joué le week-end passé en compète, c'est l'Ultimate Marvel versus Capcom 3. Même si j'aime beaucoup le 2, le 1 et les Street Fighter versus X-Men, pour moi, c'est l'un des plus aboutis graphiquement. On dirait vraiment la BD, les musiques, les déplacements des personnages, la fluidité de jeu, le X-Factor qui permet
un gain de rapidité, de get de dégâts, etc. Ultimate Marvel versus Capcom 3, c'est un jeu qui n'est malheureusement méconnu en France. Parce que bah il y avait toute l'époque, il est tombé en même temps que KOF 13 et Street Fighter 4, donc les gens connaissent pas trop l'Ultimate Marvel versus Capcom 3, mais en tout cas il y a Philippe. Il est sur quelle console? Tu l'as sur PS, tu l'as sur arcade, tu l'as sur PS3, tu l'as sur Xbox 360. Il était en compétition, il était de base, il est sorti sur console, sur PS3 et Xbox 360, mais tu peux encore le télécharger sur les nouvelles consoles et sur Steam aussi. Et c'est un jeu pas cher en plus, mais qui est incroyable de par les animations du personnage. Si je me le procure, voilà. Un démat sur Steam ou si je peux l'avoir sur PS3, pour une bonne affaire, je me le procure. Allez, Cyber, toi, sors-moi un crossover, un de tes crossovers, un ou deux, et comme Looping, et une anecdote. Bah après, moi, je vais saluer Fridial qui rejoint le chat, et Foued, salut, si Fridial. Un jour tu veux parler à un mec qui connaît très bien, comme Looping, le Versus, les BTU et tout, Fridial, I1CC Final Fight Arcade. Fridial, tu peux t'abonner à ma chaîne, comme ça, si on refait notre débat, t'es le bienvenu, Fridial. Crossover préféré, honnêtement, je ne les connais pas assez bien, je vais juste en citer un seul, parce que j'ai un super souvenir dessus, c'est Marvel versus Street Fighter, j'avais joué à la tête dans les nuages, et en fait, c'est un jeu qui est assez facile. En arcade, tu sais, en mode solo contre l'ordi, et je t'arrivais au dernier boss. Et plus je jouais, plus il y avait du monde autour de moi, donc franchement, c'est un souvenir de fou. Et voilà, je t'arrivais au dernier boss et tout, bon, j'ai perdu, et voilà. Mais en fait, le jeu, il est pas dur. Tu rejoues, il y a des jeux comme ça qui sont accessibles, quoi. Et voilà, pour moi, c'est. Ah, pour ça, c'est mon préféré, mais parce que je connais pas. Avec une seule pièce, t'arrives au boss? Comment? T'arrives au boss avec une seule pièce? Ouais, je crois que j'ai eu un crédit, enfin, j'avais mis 5 francs à l'époque, quoi. Et je suis arrivé au boss à un point. C'est je sais pas comment il s'appelle et c'est je crois que c'est le mec des Avengers et tout là, le boss des Avengers. Soit Bison, soit non, c'est pas Bison. C'est pas Apocalypse. Apocalypse. Si, si, bah, Apocalypse. Si, si, c'est Apocalypse. Marvel violet, Street Fighter, oui. Il est violet, et en fait, tu te bats carrément contre son point géanté, il est géant, il y a oui, sa oui, tête. C'est Apocalypse, tout à fait, Apocalypse. Voilà, oui. Ça. Moi, j'ai perdu contre lui. Mais franchement, j'étais hyper hyper content à l'époque, quoi. Et je prenais Ryu et Wolverine, je faisais quasiment tout la même chose. Je spammais des cartes de cercle, j'appuyais sur tous les boutons. Mais je crois qu'il y a un mode easy en fait. C'est ça en fait. Quand tu choisis le perso, tu peux choisir easy. Et je mettais easy. Du coup, je spammais, j'envoyais des super à tout va et tout, ça fritait partout. C'est incroyable ce jeu. C'est vraiment incroyable, quoi. Très bien. Et voilà. New Tech City. Eh ben moi, les Versus, ça a commencé pareil que Cyber en arcade, le Street Fighter Marvel. Je suis passé dans la bande, j'ai halluciné les sprites. Putain, mais géants! Putain, les sprites, j'ai jamais vu ça, des sprites géants à l'écran. Et j'ai attendu la Dreamcast avant de me choper le Marvel Capcom 2. Je suis devenu fou en européen. Putain, plus tu joues, plus tu débloques des persos, à un moment donné, ton écran il se remplit de personnages jouables, mais c'est hallucinant, quoi. Graphiquement, il était dingue, j'ai fait des parties de malade pendant des années, même longtemps après, il y avait plein de jeux de baston qui étaient sortis, je jouais encore à Marvel Capcom 2, c'était hallucinant. Il y a le 3 derrière. Magnifique. Ouais, le 2, institution. Magnifique, le 2. Le coup d'envoyer, tu faisais bas, diagonale, bas, avant. Avec un coup de pointe, envoyer le mec vert à la DBZ, tu le rattrapais en météor smash. Les gars, ils m'ont eu. Le 3, sympa, mais moins bien. Et le dernier, encore moins bien. Enfin, ça a été de pire en pire, quoi. Et il n'y a eu que le Tatsunoko versus Capcom sur Wii. Oui. Il est en arcade. Et ils l'ont fait que sur la Wii. Je ne sais pas pourquoi que sur Wii. Mais quel jeu. Quel jeu. Moi, je ne connaissais pas trop Tatsunoko. En fait, c'est une. C'est une espèce de licence de Sentai japonais, pas trop connue en France, comme les Karas, des mecs avec des casques en forme de canard. Mecha, en fait, c'est tout ce qui est mecha, ouais. Il y a des mechas, ouais. Et en fait, quand les mecs combattent, les Furies, ils invoquent des robots à la Bioman. C'est ça. Hallucinant. T'as pas ça dans les Marvel Capcom. Celui-là, même encore maintenant, j'y joue. C'est une dinguerie. J'ai testé ce sur PS4. Le dernier PS4, je ne m'éclate pas. J'y joue. Allez, une semaine, je laisse tomber. Et ben moi je dois vous raconter une anecdote. Moi, le premier crossover que j'avais joué, c'était X-Men versus Street Fighter, et franchement, j'ai vraiment admiré en version arcade. J'avais joué dans une pizzeria, franchement, c'était magnifique.
Et surtout, quand on prenait Cyclope avec Ryu, c'était le combo parfait. Et après, bon, des crossovers, j'en ai fait beaucoup. SNK versus Capcom, y compris ce qu'a dit Looping. Et aussi Marvel versus Street Fighter, aussi Cyber. Et après, ensuite, Street Fighter X plus... Pardon, tu m'as dit Cyber ? Je vais te couper juste pour vous souhaiter la bonne soirée, parce que je dois vraiment y aller là. Donc, bonne soirée à tous. Pas de soucis, Cyber. Bonne soirée à toi et merci d'avoir assisté au live. Enchanté. Bonne soirée à vous. Ouais, c'était super sympa, les mecs. Hein. Salut, les gars. Salut. Merci beaucoup, Cyber, d'avoir assisté au live. Ouais, je disais donc, ensuite, celui que je me suis. J'ai fait Street Fighter X plus Alpha. Bon, c'était pas considéré comme un crossover parce qu'à l'époque, quand Arika et Capcom étaient ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que le concepteur de Arika, c'est le premier concepteur du premier Street Fighter 2, le créateur de Arika. Mmh. Parce que oui, quand tu joues à Fighting X-Layer, ça ressemble beaucoup à Street Fighter et beaucoup de gens croyaient que c'était un spin-off, alors que non, c'est un univers différent. Quand on voit avec Alan Snyder et Kairi qui ont les mêmes pouvoirs que Ryu et Ken. Bon, après, Fighting X-Layer, je l'ai en démat. Je ne sais pas si tu l'as en physique, Looping. J'ai les deux versions et... Pour te dire, j'ai même le t-shirt donc, que j'ai ramené du Japon. Donc, ouais, c'est vraiment simple. D'accord. Et tu l'as acheté combien le jeu en physique au Japon ? Non, je ne l'ai pas acheté au Japon. Le jeu en physique, je crois que je l'ai acheté ici, en France. Et honnêtement, je ne me rappelle plus du prix, mais ça devait être aux alentours des 50 balles. D'accord. 50 balles. Et moi, mon crossover préféré que j'ai beaucoup aimé, c'est Marvel versus Capcom 2, surtout quand on prend Venom. Venom, il déchiquette. Mais Venom, il est trop fort. Et surtout, ma version préférée, hormis l'arc arcade, je vais en étonner plus d'un. Marvel versus Capcom 2, je le préfère mieux sur Dreamcast. J'avais joué la première fois sur Dreamcast. La base, non, c'est normal. Hein. Il a commencé là. Hein. Enfin, d'abord, mais sur Dreamcast, les King of Fighters, de toute façon, que ce soit la Saturn ou la Dreamcast, ces deux consoles, elles sont excellentes pour les allitérations de certaines licences, notamment les King of Fighters et tout ça. C'est sur console, il fallait si t'avais pas la Neo Geo, tu jouais sur Saturn ou sur Dreamcast. C'était excellent. Le tout premier SNK versus Capcom, il était sur la Dreamcast, ouais. Je me rappelle quand les gars ils tombaient, l'écran il tremblait, quoi. Effectivement. Et moi je trouve ce qui est vraiment dommage, parce que le problème c'est que ça nous dépasse, c'est un problème de droit. Parce que depuis que Rareware a été racheté par Microsoft, alors qu'à l'époque, il développait que des jeux Nintendo, de la Super Nintendo jusqu'à la GameCube, Rareware, et surtout la majorité du catalogue de Nintendo 64, c'est Rareware, franchement, j'aurais aimé, c'est dommage qu'on n'a pas trop eu le temps de parler de ce sujet-là, il y a eu tellement de trucs, j'aurais tellement aimé qu'il y aurait eu un crossover entre Killer Instinct versus Mortal Kombat. Qu'est-ce que vous en aurez pensé pour en conclure le débat? Mais si je me trompe pas, alors attends, Killer Instinct versus Mortal Kombat, il faut savoir que dans. T'as des personnages, alors je sais que t'as certains personnages dans Killer Instinct, déjà t'as les Tortues Ninja, je crois, en DLC. C'est pas les Tortues Ninja, c'est dans le dernier Killer Instinct, c'est de Battle. C'est dans Injustice. Excuse-moi. Qu'on voit qu'il y a Injustice 2. Oui, pardon, c'est H de Battletoad en fait. En fait, je parlais des Tortues Ninja dans Injustice 2, j'ai confondu avec Injustice 2, où t'as Raiden, tu vois, il y a eu ce crossover dans Injustice. Oui, parce que pourquoi? Parce que c'est l'équipe Ed Boon de Mortal Kombat qui ont eu les droits à la Warner Bros de faire un jeu de combat de DC Comics, et c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de faire rentrer des combattants de Mortal Kombat, parce que vu qu'Injustice est considéré comme un Mortal Kombat like, mais c'est vrai qu'ils ont fait un Mortal Kombat versus DC Universe, j'en suis mitigé, c'était génération PS3 Xbox 360, mais j'aurais préféré Killer Instinct versus Mortal Kombat, mais ça déchire. Oh, dans Killer Instinct, on a eu droit aux fatalités. On a eu droit aux combos. Par exemple, qu'est-ce qui est similaire entre Killer Instinct et Mortal Kombat? Jago, c'est un moine tibétain, un moine Shaolin. Pareil que Liu Kang. Fulgor, c'est comme Syrax et Sector. C'est un humain enfermé dans un robot. On découvre que c'est le frère de Thunder. Thunder, l'Indien, c'est un chef indien comme Nightwolf. Orchid, elle est similaire à Sonya Blade. Qui d'autre aussi? Raptor. Tu sais ce que c'est le problème? Il te déchire. Oui.
Oui, non, mais non, ça appartient à Microsoft, c'est impossible. Parce que si le problème, c'est que si Killer Instinct et Mortal Kombat voient le jour, ils peuvent avoir un crossover exclusif sur Microsoft et ça va pas marcher. Et je pense pas qu'après, ils vont s'étendre sur Sony, sur PlayStation ou sur, il y a que peut-être sur PC ou sur Xbox, mais sur Sony ça, ou sur Nintendo, ça m'étonnerait. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est ça qui casse le délire. Par exemple, aussi, qu'est-ce qui est similaire aussi? Cinder et Glacius, la rivalité entre Cinder et Glacius, c'est similaire à Scorpion versus Sub-Zero, Raptor, il est similaire à Reptile. Il y a plein de choses qui sont similaires. À la fin, par exemple, dans Mortal Kombat, t'entends Finish him. Et dans Killer Instinct, t'entends Danger, Danger. T'entends la voix grave. Et ça, c'est dommage qu'on n'a pas eu droit à ça. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, les deux? Franchement, Looping, qu'est-ce que t'en penses? Et on finit par Florian avant d'en conclure le live. Bah si le crossover entre Killer Instinct et Mortal Kombat se fait et que ça fait un clash, comme tu dis, Sub-Zero Scorpion, et du coup le personnage de Killer Instinct, la flamme, je sais plus comment il s'appelle, contre Cinder, etc. Glacius. Ça, voilà. Moi, ce que je kifferais toujours dans Killer Instinct, c'est le Combo Breaker. C'était ce truc-là qui était après le problème, c'est que au niveau du gameplay, ils ont créé un gameplay bien spécifique à Killer Instinct et des animations à l'époque un peu digitales là, tu sais, sur arcade, ce qui fait que les animations, les timings ne correspondent pas du tout. Je sais pas si ça pourrait être adapté à des personnages de Mortal Kombat parce que c'est pas du tout les, je trouve que c'est pas du tout les mêmes timings. Même si on pourrait mélanger les deux univers, ça pourrait être un bon mix. Mais il faut pas oublier que c'est deux gameplays complètement, je trouve, différents, en fait. Voilà. Après, au niveau des personnages, oui, c'est vrai qu'on peut les intégrer, on peut faire un espèce de multivers, mais au niveau du gameplay, crossover, mais au niveau du gameplay Killer Instinct, il a vraiment quelque chose qui lui est propre. Alors que Mortal Kombat, c'est vraiment bon. À chaque Mortal Kombat, déjà a un gameplay différent. Maintenant, si on doit comparer le dernier Killer Instinct avec le dernier Mortal Kombat, je trouve que c'est vraiment deux mondes trop différents au niveau du gameplay, je parle. Hein. Mais au niveau des personnages, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Et ça aurait pu relancer, on va dire, mondialement un peu plus fort la licence de Killer Instinct. Même s'il va être joué encore à l'Evo, je crois, cette année d'ailleurs. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi si le fait que j'ai donné l'idée, ça aurait été bien un crossover entre Mortal Kombat et Killer Instinct. Mortal Kombat et Killer Instinct. Est-ce que pour toi c'est une bonne idée, ça aurait été cool? Qu'est-ce que tu en penserais s'il y aurait un crossover entre Killer Instinct et Mortal Kombat? Non, c'est pas possible. Moi je pense pas, parce que tu vois c'est un problème de droit, tu trouves? Ouais, déjà il y a ça, et aussi le fait que Mortal Kombat, je sais pas, ils ont un délire avec le monstre de Universal. Ils prennent que des licences de monstres connu du cinéma, et aussi le fait que voilà, Killer Instinct, j'adore, hein, mais tu peux pas faire combattre Raiden contre un lézard, tout lézard, ou contre un robot avec des griffes, hein. Tu vois, le au niveau du chara-design, ça ferait trop un choc, ça ferait trop un choc. C'est pas ça qu'ils cherchent, NetherRealm. Eux, ils veulent des monstres réalistes comme le Terminator. Terminator, c'est un vrai, il a une forme humaine, tu vois. Même le Predator, il est un peu humain, tu vois. Mais un Raptor, un squelette, même ça te choquerait visuellement, ça te choquerait, quoi. Moi, bien sûr, ils pourraient le faire, hein, on est d'accord. Hein. Et puis après, aussi au niveau des combos, je me rappelle sur Super NES, tu faisais 64 hits. C'était le but du jeu, en fait, dans Killer Instinct, c'était de faire le maximum de combos possible. Et le délire, c'est qu'à l'époque, je crois pas qu'il y avait de contre, hein, mais tu pouvais pas contrer. Une fois que tu rentrais, les premiers coups, je crois que tu pouvais pas faire de contre. Attends,
En fait, tu pouvais contrer sur le début du combo, sur le début du combo. Et après, une fois que tu rentrais, en fait, tu avais une espèce de combo. C'était une espèce de l'équivalent de la fatalité. Donc, ça faisait une espèce de combo auto. Oui. Et ça tuait. Et ça faisait comme un. Derrière, ouais. Et ça faisait un infini. C'était un imbloquable. Et ça faisait un infini. Et ça tuait le mec. C'était bien à l'époque, c'est marrant, mais face à Mental Combat, incroyable. Et après, juste une dernière, il est très technique. Hein. Une question à tous les deux. En terminant, Killer Instinct, vous avez préféré la version arcade ou Super Nintendo? Moi, la version arcade, mais attention, j'admirais la version Super Nintendo. Impossible de se rapprocher de l'arcade à l'époque. Franchement, moi, personnellement, il y a beaucoup de versions comme ça qui m'ont donné. Presque envie de, excusez-moi du terme, mais presque envie de gerber, presque envie de vomir, parce que je trouve que c'était tellement une caricature avec des timings pourris. Enfin, je veux dire, les machines d'époque n'étaient vraiment pas assez puissantes à tous les niveaux pour pouvoir se rapprocher, à part à partir de la Dreamcast ou des consoles comme ça qui ont pu faire, quand on parlait de King of Fighters, etc., qui ont pu se rapprocher de la version arcade. Donc où il y avait des vrais timings, etc., où on pouvait vraiment faire même des compétitions. Mais je veux dire, Killer Instinct Super Nintendo, c'était sympa pour le clin d'œil et pour la licence. Même la version Nintendo 64, pour moi, elle est bien, mais elle est encore très 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 loin de l'arcade. L'arcade, les graphismes, les bruits. Non, l'arcade, c'est comme sur les beat'em all. C'est comme quand on parle de Final Fight. C'est bien d'avoir le jeu sur console, mais sur arcade, t'as pas les mêmes sensations. Même pour un NBA Jam, par exemple, si on parle même d'un autre type de jeu, bah, par exemple, moi, quand je vois NBA Jam, même si j'ai adoré y jouer sur Super Nintendo, NBA Jam, j'ai fait des parties de dingue avec un meilleur pote à moi, big up à lui, à Abou et toute sa famille, parce que c'est toute une famille avec lesquelles on a dosé pendant des années. Jusqu'à présent, on se supporte. Et donc, je sais qu'on a été tous les deux en rivalité sur NBA Jam. Sur console, mais quand tu joues à la version arcade, c'est un autre monde. Au niveau du côté sonore de l'arcade, c'est autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment, quand t'es sur une borne d'arcade, t'es vraiment dans un autre monde. T'es dans une bulle, en fait. Et c'est ça, et c'est Killer Instinct, c'était ce que ça me procurait. Et c'était les graphismes et tout. Quand tu joues à Killer Instinct, t'envoies une boule. Tu te rappelles l'impact des explosions des boules dans la garde? Oui. C'était incroyable. Tu avais cet effet visuel là que sur arcade, sur console, c'était dégueulasse quand t'avais la boule qui arrivait dans la garde du mec et que ça faisait une explosion. C'était dégueulasse sur console, sur Super Nintendo. Il a fallu vraiment attendre les consoles actuelles sur PlayStation, à partir de la PlayStation 3 ou 4. Quand là, j'ai Killer Instinct sur Play 4. Là, on est quasiment sur une accélération de l'arcade. Là c'est joli à regarder. Non, sur Xbox. Oui, parce que non, c'est pas sur PS4 Killer Instinct, c'est Microsoft, c'est exclusif Microsoft. Même j'ai offert à mon neveu Killer Instinct Definitive Edition. Ouais, t'as raison, parce qu'en fait, je confonds, parce qu'en fait, c'est parce que moi j'ai la version PC, excuse-moi. J'ai pas la version Xbox, parce que j'ai Xbox 360. Mais c'est une version PC, ouais. Et la version PC, bah ouais, forcément. T'as l'impression d'être sur une bande, t'as l'impression vraiment d'être sur la bande d'arcade, ouais. Là, pour le coup. Mais par rapport à l'époque, si on compare la première bande d'arcade que moi je jouais à Châtelet, c'était incroyable. Déjà, la bande d'arcade, elle était magnifique. T'avais des stickers sur les côtés avec les personnages en géant, c'était incroyable. Et il y avait que des tueurs qui jouaient là-bas. Donc, tu te faisais sortir en deux secondes. Donc, déjà, moi, j'étais dégoûté parce que j'étais trop nul à l'époque. Et quand tu voyais après la version de Nintendo, c'était la version, entre guillemets, du pauvre, quoi. C'était vraiment la version pour les mecs qui étaient en galère, quoi. Ou qui n'avaient pas la borne dans leur coin. Donc moi, je préférais faire des kilomètres et aller mettre une pièce dans la borne d'arcade que de jouer toute la journée sur Super Nintendo avec des timings pourris et des graphismes. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai plus préféré la version d'arcade, la version Super Nintendo, et je te rejoins là-dessus. Et toi, Florian? Bah écoute, moi, j'ai pas connu le Killer Instinct en arcade. Déjà sur Super NES c'était super beau. Après j'ai la version Killer Instinct sur la Xbox, je sais plus comment elle s'appelle cette console. La Xbox One. La blanche, la slim là. La Xbox Series S, oui.
Ouais, c'est Ries. En fait, j'ai le jeu Rare Replay. Et dedans, t'as le Killer Instinct Arcade. Bah ouais, c'est joli et tout, ouais. Bah, après, c'est sûr, hein, de toute façon, tu peux pas comparer l'arcade avec des jeux, surtout d'époque Super NES, quoi. Tu peux comparer, aller peut-être à partir de la Xbox 1 ou la 360 ou la PS3 avec l'arcade, mais avant, c'est incomparable. C'est incomparable. Et le nombre de puces de processeurs que tu as sur les cartouches arcade et comparé à des jeux cartouches petites comme ça sur Super NES ou Mega Drive, c'est incomparable, c'est sûr. Après, le challenge, c'était de les adapter, tu vois, c'était l'adaptation. Mais pour une adaptation, c'est un truc de fou. Pour avoir NBA Jam sur ta Super Nintendo et qu'il soit quand même beau, jouable et que tu prennes du plaisir par rapport à une bande d'arcade, c'est quand même dingue, quoi. Regarde, ils ont même fait le Street Fighter Alpha 0-0 sur la Super NES. C'est un truc de fou. C'est une Super Nintendo, hein, il y a 16 bits. Hein. Il y a même des chargements carrément sur Super Nintendo pour faire tourner le jeu. C'est fou. Ils vont relever les défis. Tu ne veux pas comparer, c'est pas possible. Si je peux me permettre juste une petite info, l'un des plus grands tournois major aux États-Unis s'appelle Combo Breaker, les amis. Donc voilà, comme vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a le CIO, il y a l'Evo, donc l'Evo qui va arriver en juillet, le 19 et 20 juillet d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder de la baston à vraiment avec les meilleurs joueurs de la planète, c'est l'Evo, c'est bientôt. Normalement, c'est le week-end du 19-20 juillet. Et il y a le CIO et le Combo Breaker. C'est un des plus gros main events. C'est presque comme l'Evo. C'est un des gros main events aux États-Unis. Où il y a d'ailleurs Killer Instinct, d'ailleurs. Et tu savais que tu connais Jérôme Le Banner. Vous connaissez Jérôme Le Banner? Oui, bien sûr. Il est en train de créer des tournois. Et vous savez comment il les a appelés? Non. Non. KOF, le King of Fighters. Il l'a fait. Il l'a fait. Eh ben, donc, est-ce qu'on va avoir des King of Fighters 2025, 2026? On va l'avoir en live. C'est fou. Bon, c'est incroyable. Il l'a fait le coffre en live. Le coffre. Ah ouais, incroyable. Ah, c'est dingue. Le banner. En même temps, lui, il traînait souvent au Japon, tout ça. C'était un fantôme. Ouais, comme il a fait le K1, exactement. Exactement. Ah, il a détruit pas mal de gars là-bas d'ailleurs. Ah, c'est pas rigolo, lui, on dirait, parce qu'il a joué dans Fatal Bazooka. Ah non. il avait tué. Comment il s'appelait le black là, le nom très costaud, je crois qu'il avait mis KO là. Tyson. Non, le monstre du K1 qui est super grand, un black, crâne rasé, un chauve, un noir, un chauve très très fort. Et il est, je sais plus, il fait 2 mètres et tout. Plus grand que Jérôme Le Banner, et Le Banner, je crois qu'il l'avait couché, il l'avait mis KO là-bas au Japon. Je vois pas, mais je sais en tout cas que. Combattre Mike Tyson, et Mike Tyson, il avait sa réputation de mangeur d'oreilles, et il faisait un peu chaud. Et quand il a été interviewé, Le Banner, il a dit que si jamais il tentait de faire un truc. Mordre une oreille ou quoi, il allait se manger sa sandale dans la mâchoire. Alors, en boxe anglaise, McTazen, il faisait la boxe anglaise. Et McTazen, il a refusé le combat. Et il a fait son. Il a fait son canard. C'est marrant les anecdotes, tu vois. Exact, c'est vrai. C'est vrai, ouais. D'accord. J'avais entendu cette histoire, ouais. Bon. Ah bon, moi j'aime bien les bananes. Tout à fait. Ben en tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir, les gars. Dommage que Cyber est parti juste avant. Ben en tout cas, merci beaucoup, Looping et Florian de la chaîne New Tech City. Alors, bien sûr, avant qu'on termine le live, les personnes qui sont encore ici présentes, abonnez-vous à la chaîne de Looping et abonnez-vous à New Tech City. Il fait des vidéos, des achats sur Retro Gaming. Il vient de commencer. Donnez-lui de la force, s'il vous plaît, c'est important. Et aussi, Looping, il fait des interviews. Il va dans des tournois Street Fighter Tekken. Franchement, donnez-lui de la force. C'est super important. Ces gars-là, je les ai rencontrés à la Edge Convention avec Cyber. Franchement, c'est des gars passionnés et ça fait plaisir. Vous voyez, là, il y a un échange chaleureux. On apprend des choses. On s'échange entre passionnés. Vous voyez, en tout cas, abonnez-vous. Ben, je vais arrêter le live. Merci à vous, à toutes les personnes qui m'ont suivi. Fredial, Cyber, tout ça et tout. Et même Bikey187, Romu Big Pikeman. Merci beaucoup. Et MyGamer, Petit Pixel. Et Tulf Alm et Anthony. Ben merci beaucoup à vous les gars. J'arrête le live. Merci à Edge. Edge aussi, il a mis des surprises. J'ai failli oublier. Merci Cassius de m'avoir fait penser. Merci Edge est venu. Ben, en tout cas, ça fait plaisir. Et on fera des lives entre passionnés.
Avec plaisir. Avec plaisir. Salut les gars. Salut, à la prochaine.